J'espère qu'on m'entend cette fois-ci. Ouais. Donc, excusez-moi, justement. Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo de direct. Donc, excusez-moi, il y a eu un bug du micro. Donc, du coup, je vérifie actuellement si ça fonctionne ou pas. Parce que j'aurais l'air con. Alors, hein, mon petit direct, est-ce qu'il avance, hein? Donc, du coup, celui-là, j'arrête. Ouais. Alors, est-ce que ça fonctionne du coup? Nickel. Ok. Donc là, moi, c'est bon. Donc, je vais vous expliquer ce qu'on va faire. Alors, je vais vérifier l'autre petite machine en question. Là, ma chaîne. Ok. Ça, par contre, je vais vérifier. Sur Meta Creator Studio. Si ça va bien, de toute façon je m'en fous, c'est sur notre interface. Vidéo. Donc là, je vais virer celle qui est actuellement de l'autre. Par contre, c'est bizarre, je vois pas diffusion en direct. Ok. Là, donc ça, bien sûr, je vire. Voilà. Modifier. Ok. Voilà. Il n'y a pas de playlist. Ah, par contre, ils ont modifié leur truc. Diffusion en direct à venir. Ouais, ben, je verrai ça. Hein. Ah, peut-être là. Option supprimer. Voilà. Comme ça, la vidéo, je comprends. Ok, supprime la vidéo. Voilà, normalement si tout se passe bien, il n'y a que mon direct actuellement qui tourne. Donc du coup, voilà, on va pouvoir là-dessus parler un petit peu tout ça. Donc on va déjà faire mon petit blabla de d'habitude. Donc là, je retourne voir mon direct s'il fonctionne. Ouais, là. Nickel. Bon, alors, qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui? Il y a vraiment pas mal. Ouais, merci. Électricité générale. Donc, du coup, là, donc, je vais essayer de voir en même temps les messages. Je remercie beaucoup pour les 3 ans passés dans ma chaîne. Ça fait un moment que je ne pensais pas non plus avoir 3 ans passé du temps avec vous. Ça fait vraiment plaisir. Moi, franchement, je ne pensais pas non plus avoir autant de possibilités, autant de connaissances que je peux vous faire partager sur certaines choses. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir parce que si vous savez. Tout ce que je sais sur l'éclairage public, je vous offre ça, voilà, sur un plateau d'argent, quoi. Et donc, du coup, là, il y a ça, il y a aussi, comment ça? Il y a aussi tout ce qui est catalogue aussi, je vous fais partager mes catalogues parce que bon, il y a beaucoup de gens qui ne vont pas sur mon site internet, qui connaissent pas mon site internet. Donc, du coup, bon, là, j'ai oublié de le mettre en description, mais de toute façon, quand il y aura une revisualisation, donc, du coup, je le remettrai dessus, mon site en question. Et non, du coup, là, moi, ça fait plaisir parce que j'ai vraiment pas mal passé de temps là-dessus, on va dire, par rapport à mon site. Parce que si vous savez quand même que ces 3 dernières années, j'ai même appris beaucoup de choses en même temps. Hein, par exemple, le catalogue BBT, tout ça. Je vais aussi voir aussi si on a le temps. De toute façon, je pense qu'on aura le temps. On va faire une grosse vidéo quand même. Donc, du coup, on va parler un petit peu des tas de choses intéressantes. Donc, du coup, j'ai fait un petit peu un tri à l'avance. Donc, comme d'habitude, on ne change pas l'équipe qui gagne. On fait la mise à jour des fichiers descriptifs pour les extraits de catalogue. Ça, je pense qu'on fera ça dans une autre vidéo parce qu'en fait, on ne va pas faire ça aujourd'hui. On va faire la création du 3 international. La création. Ouais, aussi, on va le faire quand même. Le fichier descriptif, il n'y en a pas pour longtemps. La création du catalogue 3 international. C'est-à-dire qu'en fait, je l'ai scanné il y a quelques semaines en arrière. Donc, je vais le laisser en question pour nous. Donc, on va faire la petite mise. Donc là, vous savez, comme on a l'habitude sur Photofiltre et compagnie. Donc, on va faire ça. Après, on va faire la mise à jour de l'inventaire parce que j'ai une lanterne que j'ai récupérée. Ça peut être intéressant. Normalement, là, mon Brissou doit pas tarder à arriver. Il est 26. Donc, il va peut-être pas tarder à arriver. Donc, c'est-à-dire qu'il faudra que je quitte pour aller l'ouvrir. Donc, ça pas longtemps. On va faire la mise à jour de l'inventaire. Donc, j'ai récupéré une lanterne. On va donc créer le PDF du Philips 1930 parce que le catalogue n'était pas mis à jour. Donc voilà. Et on va peut-être pouvoir aussi faire.
J'en ai jamais fait par avant, mais je voudrais vous le faire, vous montrer ce que je fais. Un plan EP, parce que j'ai un plan EP actuellement à faire. Je vous montrerai ce que je fais aussi comme boulot. Ça va prendre beaucoup de temps, vous êtes d'accord avec moi. Donc, du coup, j'espère que vous êtes prêts. Il est 15h27. Donc, du coup, voilà, moi, ça fait vraiment plaisir quand même de vous faire partager beaucoup de choses. Hein. Voilà. Donc là, c'est vraiment une grosse vidéo qu'on va faire pour les 3 ans de ma chaîne. Ça fait plaisir. On va peut-être aussi regarder à la fin si on a vraiment le temps aussi toutes les vidéos qu'ils ont sorties. On ne va pas les ouvrir. On va regarder simplement, on va dire, les thématiques et tout ça, voilà, sur mon truc. Donc, du coup, là, moi, franchement, si vous voulez, j'ai vraiment pas mal appris beaucoup de choses ces dernières années en même temps avec vous. Donc, j'espère que vous allez envoyer un message. Donc, du coup, je vois que ma petite caméra est toute sympatochement dégueulasse. Voilà. Donc, du coup, on va pouvoir commencer là-dessus. Donc, voilà. Donc, si vous avez des questions, des commentaires, laissez-les. Je pourrais les regarder en même temps. C'est juste à côté. Il n'y a pas de souci. Donc, du coup, je vais mettre mon petit partage d'écran des familles. Hein, comme d'habitude, partager. Voilà. Alors, du coup, on va pouvoir passer tout ça. Donc, du coup, voilà. Donc, ça, je vire actuellement. Ça, je vire. Et donc, là, du coup, on va commencer pour le mise à jour du fichier descriptif. Donc, du coup, j'ai déjà mon petit dossier. Je vais vous montrer mon petit dossier. Bon, ça, je peux l'ouvrir. Voilà. Donc, oui, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a que ces extraits-là à rajouter en tant que page. Hein, il n'y a pas grand-chose. Sinon, il y a tous mes inventaires. Bon, là, de toute façon, ce que je vais faire, c'est que j'ai, bien sûr, oublié d'imprimer le fichier, l'inventaire de 2019. Donc, du coup, ça, c'est pas grave. On va faire ça tout de suite. Donc, le fichier en question. Révision forfaitaire, comme d'habitude, ça change pas. Voilà, donc, bon, là, c'est vraiment, on commence par le début, comme ça, après, on sera tranquille. Parce que sinon, voilà, c'est le caca. Sinon, il n'y en a pas pour longtemps. De toute façon, je sais ce qu'il faut que je fasse. Donc, voilà. Donc, là. Donc, ça charge. Du coup, voilà. Donc, là, par contre, il faut que j'aille dans l'antenne 2019. Je vais imprimer tout ça. Voilà. On vérifie s'il n'y a rien sur l'imprimante. Voilà. Ça fait 3 pages déjà. Alors, insertion dans fichier imprimé. Hop. Ok. Voilà, ça va imprimer, comme bien entendu. Alors, ça, c'est fait. Donc là, on a le temps. On va aller. Ah, j'aurais pu laisser ouvert, mais c'est pas grave, je rouvrirai ça tout à l'heure. Parce que c'est. Non, plus tard. C'est dans la vidéo plus tard. Bien sûr, j'ai pas mis le truc. Donc, du coup, tout va tomber. Alors, du coup. Franchement, ça va être pas mal parce qu'on va découvrir pas mal de choses. Donc, comme bien entendu, de toute façon, c'est la même chose. Hein. Alors, ça, ok. Création de doc. Voilà. Fichier descriptif, il est là. Voilà. Et on va pouvoir commencer. Hop là. Allez, vas-y. Par contre, l'imprimante, elle me pète les tronches, là. Elle me pète la cacahuète, là. Elle sort 3 feuilles blanches. Allez, vas-y, ressort une feuille blanche. Allez, vas-y. Hey, t'es content? T'as sorti 3 feuilles blanches? Je vais changer d'imprimante. Moi, ça m'énerve. Alors, du coup, c'est bon. Alors. Début Mazda. Et donc, faut que j'y retombe parce que j'ai pris ça, mais j'ai oublié de visualiser un truc en question. Donc, ça va être chaud. Parce que d'habitude, quand je fais les mises à jour inventaire, j'ai mon petit dossier qui va bien. Alors, on va pouvoir commencer comme ça, j'aurai dans l'ordre. Parce qu'en fait, c'est la merde si j'ai pas dans l'ordre. Allez, dépêche-toi. Question, un électricien m'a dit que depuis janvier 2009, c'est l'arrêt total de la production des tubes fluo de toutes sortes. Qu'en penses-tu que ça devait devenir rare comme les BF? Ah oui, 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 je suis tout à fait d'accord. Oui, tout à fait. Donc, du coup, là, il y a vraiment pas mal de trucs. Donc, du coup, j'espère que le direct va fonctionner. Voilà, normalement, si tout se passe bien, c'est bon. Voilà, donc là, c'est bon, nickel. Justement, par rapport à ça, oui, justement,
depuis janvier 2019. Oui, c'est l'arrêt total des tufluos. Donc, c'est pour ça que j'ai commandé. Donc là, je vous le spoil un peu, mais bon, c'est pas grave, ce sera dans une vidéo. J'ai commandé des tufluos à l'occasion pour ça. Donc, je savais que les tufluos, j'en ai parlé dans une vidéo, que les tufluos, les SOX et les électroniques, c'est-à-dire tout ce qui est fluo compact, n'existent plus depuis 2019. Voilà. Donc, comme ça, vous le savez. Donc, c'est chiant, je sais, c'est casse-couille. Mais bon, voilà, on vit avec son temps. C'est tout et c'est tout. Donc, du coup, voilà. Donc là, on va sortir ça et on va commencer. Donc, du coup, on a la Mazda Poseidon. Je n'ai pas le catalogue pour l'instant. Alors, Mazda Refractor, début. Donc là, paf. Hein, bien sûr, ça ouvre dans le mauvais page. Ouais, ça, je peux mettre ça là. Hop là, tac. Bon, voilà, ça va être facile. De toute façon, il n'y a pas des plus non plus des masses. De toute façon, c'est facile déjà. Tout ce qui est plusieurs puissances et tout ça, ça va dégager. Donc, les couleurs aussi, tout ça, ça sert à rien. Ça sert à rien. Donc, du coup, là, j'ai mis vraiment tout le bazar. Tout le bazar. Donc là, du coup, là... Poseidon. Donc là, c'est après la Macadam. Alors. Ah, mon brissou. Ah, c'est quoi la porte n'est pas fermée? Ouais, c'est utile, t'as vu? Ils sont en train de déménager, les voisins. Ah. Décolle-colle. Ça, je pense. Paf, cassé, à remplacer. Heureusement que c'est pas une BF. Devine, monsieur couche à quelle heure? Je sais pas. 9h. Du soir? Non, du matin. Ah bah pas du soir. Aujourd'hui, 9h du soir. Ah, le truc de dingue. Je veux dire, je suis complètement flagada. Alors, du coup, on va faire ça. Alors, comme j'avais dit le dernier coup, je ne mettrai pas les doublons. Bah, si tu veux te prendre le truc à bord, mon bousso, vas-y, prends, t'inquiète. Là, donc, du coup, Poseidon. C'est après, donc là, je vais prendre le petit truc là. Ah, bien sûr, il n'y a pas. Donc, ça, c'est bien sûr. Copier. Voilà, tout ça, il n'y en a pas pour longtemps. De toute façon, la plupart, c'est des doublons, donc ça ne sert à rien de faire ça. Alors, ça, pof. Donc là, Modena, ok. Donc là, j'ai remis une Modena. Ah non, je n'ai pas fait encore. Coller. Voilà. Donc là, paf, 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 paf. Quoi de beau? Moi, la moitié de rien. Parce que je veux dire quoi de neuf, mais je sais que tu as déjà la moitié de 18. Donc je dis quoi de beau, comme ça c'est mieux. Je te prends. La moitié de rien. Donc la Poseidon. Mazda. Poseidon. Oh putain. Là, hop. Poseidon. Je vais me faire un gros stock vite. Ah bah oui, fais un gros stock de tubes fluo. C'est l'occasion rêvée, hein, parce que moi, voilà, heureusement que j'en ai pas mal. Voilà, donc ça peut être intéressant. SHP 100 watts, je ne sais pas si c'est de la SHP 100 watts. Par contre, c'est de la SHP 150 watts. 150 watts. Voilà, donc là, on va choisir l'image. Donc là, paf, ça, je mets ça là. Donc, c'est dans les des deux points. Putain, je suis perdu. Lanterne. Voilà, lanterne perso. Alors, j'espère que mon direct fonctionne bien. Alors, c'est Mazda. Alors, Mazda. La Poseidon. La Mazda Poseidon. Voilà. Donc, du coup, ça, je vais mettre ça là. Voilà. Ah, donc, la Poseidon. Alors, Extrait Guide. Bon, là, je mettrai Mazda Guide 2003, mais je sais c'est quoi. Voilà. Donc, après, nous avons... Donc, la Modena G, ça sert à rien. La Estelux 400F, j'ai pas encore le catalogue. Le VU. Donc là, on va dans les projecteurs. Je pense que là, ça n'y est pas là-dedans.
Non, je ne sais pas si c'est là-dedans. Je pense qu'on va faire aussi une petite mise à jour page catalogue. Donc là, apparemment, ça c'est bon, ok. Voilà, bon, ça, ok. Hop, hein, je vais faire ça. Tac, un fichier descriptif, page 2. Comme ça ouvre directement, j'attends pas. Réfractor. Alors, là, réfractor. Donc là, par contre, je vais aller chez Projet Luxe. Donc là, paf. Je prends en testant la bouteille de Coca. Oui. Hein? Parce qu'on fera une pause, je ferai une pause entre deux. Donc voilà. Paf, paf, paf. Un petit troll. Hein? Un petit troll dans le tiat. Lol. Le la marque, le même nom, ils font pas la même chose. Ah oui, je viens de faire allusion en plus. Nouveau luminaire de chez Mazda, la MX-3. Attention, elle roule. C'est le modèle là roule en plus, c'est ça qui est dingue. C'est une fourberie cette voiture, cette lanterne là. Tu peux l'allumer, ça fait de la lumière, donc. Alors. Ah, attends. Bon, attends, j'ai un petit peu allé plus vite parce que je ne sais pas où que c'est. Ah, ok. Donc là, de toute façon, tout ça, il n'y a pas. En fait, dans cette partie-là, il n'y a rien à faire, en fait. Hein. Ouais. Dans cette partie-là, je la ferme. Voilà. Après, fichier descriptif. Hop. Ah, oui, d'accord. Ça commence à partir de Projet Luxe. Ok, d'accord, je comprends. Alors, du coup, ça, c'est fait. Projet Luxe Neuvillus. Donc je sais qu'il y a des endroits à mettre à jour. Donc Neuvillus 2, Neuvillus 2L. Donc ça, on modifie. Voilà. Copier. Paf. Et je vais coller. Voilà. Donc ça, les photos, je change, modifie l'image. Oh, ils ont fait une petite mise à jour. Parce que la vache, quand je changeais de page de catalogue, ça changeait directement d'interface. Et là, je garde le truc. C'est ça qui est bien en fait. Donc, c'est une très bonne idée. Ils ont vraiment bien fait ça en fait. Donc là, j'ai plus qu'à redescendre tout en bas. Là, projet luxe, hein, Schrödinger. Projet luxe, Neuvillus. Ne Moulinu, Neuvillus 1. Ouais, donc ça c'est pareil, je modifierai la page de catalogue. Donc là, Neuvillus 2. Donc là, c'est celui-là. Donc là, le grand, mettre celui-là. Voilà. Et je vais mettre l'autre version. Modifier l'image. Voilà. Donc là, paf. Voilà. Donc là, j'ai mis la petite version et la grosse version. Voilà. J'ai aussi celle-là à modifier. Modifier l'image. Hop là. Voilà. Tac. Et je vais mettre celle-là. Voilà. Donc ça, c'est fait. Donc la cloche en cuivre, elle est faite. Donc là, apparemment, c'est toujours bon. Je vais mettre simplement du L. Je vais mettre L parce que je ne sais pas c'est quoi. Ah oui, Neuvillé. Donc là, c'est fait. Et l'Offizo. Donc là, j'ai fait ça. Coller. Et coller. Coller, coller, coller. Coller la petite. Non, l'Offizo. L'Offizo. L, non. L'Offizo. La BF125 également. De toute façon, c'est que le projet, c'est que de la BF125 à part la première. Là, ok. Donc là, modifie l'image. Donc là, on met. Hop là, l'Offizo, elle est là. Voilà. Et on va mettre 125 AB. Là, c'est 125 AB1.
125, B1. Voilà. B125 également. Modifie l'image. Ça va, il n'y a pas grand-chose à mettre parce qu'en fait, il y a beaucoup de doublons. Donc, c'est vrai, c'est supportable en fait. B1. Et dans celui-là, je mets NX. Cata... Non, pas ça. Là. Catalogue. Projet Luxe 1955. Voilà. Donc là, l'extrait de catalogue, bien sûr, je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas mis dans mon truc. Ah, si, 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 si. Si, si, si. Je l'ai. Où est-ce qu'il est le truc? Catalogue rajouté. Voilà. Donc ça, tac. Et là. Hop là, tac. Voilà. Et là, normalement, tout se passe bien. Voilà. Le petit machin des familles. Voilà. Le petit machin très intéressant. Ah, donc là, ça fait zizir. Ok, donc ça, je retire. Fichier, ok, voilà. Donc là, c'est fait. Nous avons la déco street, petit modèle. Donc là, après, on va descendre. Donc là, Gal. Je ferai peut-être une mise à jour de chez Gal plus tard. Là, donc Gal. Donc, torne, ça torne pas rond. Donc là, ok. Donc là, paf. Déco street LB60. Donc là, par contre, je vais faire ça. Hop là, carrément. Ok. Copier. Hop. Coller. Voilà. Donc ça c'est fait. Donc il y a des grosses rites LB 62. Ah c'est 61. Donc là, paf, je modifie. Donc là, la déco street LB60, c'est 150 watts aussi. Donc là, on modifie l'image. Donc là, ça tourne pas rond. Il faut descendre tout en bas. Vraiment tout en bas. Voilà. Voilà le truc. Donc là, ça, c'est le truc. Le truc de dingue. Donc là, LB60. Donc là, c'est fait. Après, nous avons donc les pilotes T2, c'est mort. VM2, BF250, c'est mort. 4350L, j'ai pas le capot. CA500TR. Oh, on va faire la CA500TR. C'est chez qui, ça, Holofan? Hop là. Eurofan, c'est pas encore là. Ah, voilà, donc là, c'est Holofan CA500. Ok, LT, ils sont magnifiques quand même, les photos de LT. Là, la 4350, les petites bouboules Holofan, la CA500 qui est là. Et donc là, du coup, je vais mettre également, je ne sais pas si c'est du Thorn ou Holofan, mais je vais mettre ça là-dedans. Donc là, paf, ok, c'est ça. Okay, donc là, du coup, je vais choisir cette partition-là. Et si vous avez plus d'infos sur ce catalogue-là, sur le luminaire CA500R, vous me tenez au courant. Copier. Je vais mettre là. Paf. Coller. Voilà. Donc là, 500TR. B125 comme d'habitude, donc là paf, modifie l'image. Holofan, bon là c'est resté dans le coin. Eurofan. Et bien sûr, je vais pas trouver là. Ah, c'est bon. Voilà. Après, donc là on va passer chez Eclatech. Je crois que je mets plus les luminaires Eclatech.
parce que ça sert à rien de mettre des trucs sans intérêt. En fait, la lumière de couleur, je ne l'aimais plus. Donc là, du coup, on va passer à la suite. Exercice. Oui, ça va être rapide. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire. Là. Voilà. Fichier, voilà. Donc, les clips, normalement, si tout se passe bien, j'ai pas mis les doublons. Avec la petite et la grosse, terminé. Ok, donc ça n'en est pas. Murena, j'ai déjà la Murena toute neuve. Donc ça, ça se met pas. LCP 64. Oh. Donc là, c'est bi, machin. Et là, LCP 64. Donc là, après, je vous expliquerai si j'ai, si je m'en rappelle du fameux catalogue qu'on va me prêter. Donc là, pof, la MR. Les MR. Donc là, je vérifie si tout se passe bien. Ouais. Donc là, pof, CP. Donc là, pof. Copier. Copier. Paf. Tac. Coller. Voilà. LCP 64. Alors, LCP 64. BF. C'est quoi comme BF déjà? LCP 65. 125 watts. Donc, du coup, voilà. Aucun catalogue pour l'instant. Là, pouf. Modifie l'image. Donc, là, avec la tech, c'est juste là. SCP H voilà. Non, si tout se passe bien, voilà, nickel. Après, donc là du coup c'est bon. Après la Marbella, pas besoin. Marina 11, ouais, je la mets pas. Roissy 10, donc là par contre on va très très loin. Voilà, mon Dieu, j'étais un petit peu loin. Après la lanterne, pas d'avion dans la collectivité. Oh. Oui. On reste ici, c'est pour l'aéroport. Ah oui, oui, oui. Un phare d'avion. Ah, ça peut être pas mal, ça, pour collectionner. Ah, la Roissy au-dessus. Voilà. Et apparemment, j'ai mis le Roissy 12, en fait, celui-là. Ben, je sais ce que je vais faire, je vais modifier aussi cette page-là, en fait. Donc, du coup, Philippe son Roissy. Donc là. Là, copier. Paf. Là, je mets. Coller. Voilà. Donc ça, paf. Voilà. Donc, cette page-là, elle dégage. Supprimer, supprimer, voilà. Catalogue ajouté, exercice. Là, posa. Vous voyez, ça va être rapide, on a déjà quasiment fait la moitié déjà. Là, catalogue, catalogue 9. Ouest, français. Philips, il est là. Philips 80, il est là. Là, donc là, ça, je glisse là pour mieux glisser. Donc là, Philips Roissy 10. Donc là, si tout se passe bien. Roissy 10. Voilà. Contrôle, voilà. Voilà ça, nickel. Voilà, donc là, Roissy 10. Ok, et ça, je vire, et je mets Philips 11, voilà. Voilà, nickel, impeccable. Donc là, ça, c'est bon. Donc là, Philips 2003, c'est Philips 1980. Voilà. Là, c'est 1980.
Là, donc là, c'est BF-125, je pense. Les pompiers qui passent. Voici 10 vers BF-125. Pourtant, on a dit combien de fois que tu fais ça direct, tu ne peux pas passer direct les alarmes. Hein? Combien de fois que tu as dit quand tu fais direct, vous ne passez pas. Ouais. Ah, donc oui. Là, Philippe, c'est 80, Roissy 11. Ah, oui, c'est vrai. Quand tu fais le boulot, on dirait qu'ils t'entendent pas les pas bon quand ils sont plats tout de téléphone. Ouais, c'est sûr. Hein. Philippe 80, donc là, modifie l'image. Roissy, on redescend Philippe. Non, Philippe, non, ça fait une grosse boule verte. Si tout se passe bien. Non. What? Ah, elle est là. Ok. Voilà. Si tout se passe bien, ça. Voilà, nickel. Là, c'est fait. Donc, du coup, mes lampadaires préférés, c'est la Comète et la Estoril, car c'est du Mazda. Elles sont solides et ont une petite ferro increvable. Oui, tout à fait. Tout ce qui est Mazda, généralement, c'est de la qualité. Ça n'a pas changé. Bon, à part les capots de Mazda qui se barrent de temps en temps, mais bon, c'est pas violent, c'est pardonnable. Après, nous avons. Alors là, par contre, la merde des City Soul. Oh, merde, ma fureur. Alors, les City Soul, c'est la merde. Là, donc là, on va faire tout un merdier pas possible. Donc là, du coup, là, Iridium. Donc, arrive à l'Urban Star, ça va être un merdier total. Donc là, j'espère que je vais suivre. Par contre, City Spirit Urbain, ça, ok. City Spirit Urbain, là, Urban Star. La Urban Star. Ah, il n'y est pas l'Urban Star. Ah, si. Elle est là, en fait. Ok. L'Urban Star, ok. Donc, City Spirit Urbain, là, et City Soul 2. Oh là là, ça, City Soul 430L. City Spirit Urbain. Alors, paf. Ça, c'est hyper chiant, ces bordels-là. Non, magnifique. Voilà. C'est pas grave. Copier. Hop. Et je vais coller là. Là, copier. Donc là, je vais coller ici. Voilà. Et je vais, on m'en fout, coller là. Donc, du coup, ici, on va avoir la City Soul 430. Oh, attends. C'est casse-couille, leur connerie. Il y a plein de City Soul, j'en ai marre. Alors, City Soul Lyodur 70, donc là, c'est bon. Donc, celui-là. City Soul, City Soul au carré. Donc là, City Soul. Attends, par contre, je ne sais plus c'est laquelle que j'ai. Qui est justement fichier. Ah bah attends, je peux, moi, attends. Hop. Là. Tac. 23. Voilà. Là, je regarde, je vérifie. Mazda. Tourne. La tech. Shredder. Voilà. J'étais un petit peu trop loin. Bébert, Indal, Philips, ok. Alors, ah oui. Ah ouais, 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 ouais. Ah ouais, c'est la merde. Mini City Soul. Donc du coup, là c'est Mini City Soul. Ça, ça dégage. Voilà. Si ça veut bien, par contre, pas bugger. Voilà. Mini City Soul. Mini City Soul. Voilà. Yodur 70. Ok, donc là, modifier l'image. Là, donc là, du coup, ah ben en fait, c'est la même chose en fait, ouais. Là, donc c'est bien, j'ai pas changé de catalogue. Philips, City Soul, Shredder, MNOP, Mazda, City Soul, c'est de la merde, pas possible pour ce bordel-là. City Soul, donc là, la mini City Soul, elle est là. Donc là, paf. Donc là, City Soul modifie l'image juste à côté. Voilà. Donc, si tout se passe bien, c'est dans ce coin-là. Mazda. City Soul, donc là, la grosse version. Voilà. Donc là, ça c'est bon. Donc City Soul,
normal. Et ça bug aussi, comme d'hab. City Soul. Voilà, donc là, City Soul normal, c'est Cosmo 140. Cosmo 140 watts. Donc la PAF 2011 aussi, c'est pas grave. City Soul carré. Alors là, par contre, je ne sais pas si je laisserai le catalogue, par contre. Non, je crois pas. Non, j'ai pas l'extrait de catalogue. Pour l'instant, je ne l'ai pas. Faut que je recherche. Alors, City Soul au carré. Ok. Voilà, au carré. City Soul au carré. Donc là, ici, c'est LED. Voilà. Annexe 2011, ça je dirai plus tard. Modifier l'image. Donc là, c'est pareil, la même merde, toujours pareil. Descendre en bas, ça c'est casse-bonbon aussi. Là, ta-ta-ta-ta, City Soul au carré. Voilà. Donc là, j'espère qu'on va pas m'embêter avec les City Soul. Si ça veut bien s'afficher. Voilà. Et c'est bien sûr pas ça. Voilà. Alors après, tac, City Soul HNF 206. HNF 206. Donc là, on a la NNF 10. Donc là, il faut que je mette la HNF ici. Voilà. Paf. Ah, c'est pas possible. J'y vois, c'est hyper chiant parce que ça lag comme pas possible. La copier, paf, après je vais faire une petite discussion, voilà, donc là, paf, coller, là par contre je fais ça, et je vais mettre le luminaire en question, là, ta 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 ta, explorateur que t'as rajouté, et je n'ai pas mis bien sûr l'extrait catalogue parce que je ne l'ai pas scanné. Donc ça c'est pas grave. Voilà. Donc là, HNF. HNF 106. Donc là, je vais mettre. Putain, ça c'est casse-couille par contre. À chaque fois. HNF. HNF 206, YouTube 2000 watts. IM. 2 watts. Voilà. Donc, ça, je laisse Mazda 80 parce que Philips 80 enregistre l'image. Voilà. Philips, on retourne encore à Philips. Voilà. Mazda, Philips. Hop là, je l'ai vu. Voilà. Le beau projecteur Madine Tour Eiffel. Là. Donc, ça, c'est bon. Ah, Ranivance, on va un peu changer de bord. On change de bord, c'est bien ça. Alors là, si bien sûr ça va jusqu'à chez Philips. Lenzi, normalement ça. Rani, Lenzi. Alors j'ai mis la Ranivance en troisième pôle position. Ok, donc il y a la ronde, il y a ça. Donc là, par contre, je fais ça. Là, copier. Paf. Tac. Coller. Là, donc là, paf. Quand tu as rajouté, est-ce que c'est dedans? Bien sûr, ah si. Je modifierai la Ranivance plus tard. Voilà. Voilà. Donc là, la Ranivance, je vais mettre ça. Je modifierai plus tard. Parce que j'ai pas scanné le truc. Ranivance Light et compagnie. Donc ça, c'est bon. Après. Oh oui, mon Dieu. Oh. Ah, c'est Lexus, ça va être la What the fuck. Donc là, Disano Climat.
Donc là, apparemment, c'est bon. Donc là, on va passer à l'autre partie. Donc là, paf. Descriptif. Mais c'est bien, c'est déjà la dernière partition. Voilà. Voilà. Alors, IVC. Ah, oh, bah, c'est bien, il n'y a qu'une. En fait, il n'y a pas beaucoup de choses, en fait. IVC, donc là. On n'a pas. Un AVC, c'est un IVC. Un trop international, bon, ça, je modifierai. IVH. Donc, IVH, il est là. Bon, je rétrécis un peu les pages. Alors. Voilà. Hop là, doucement, doucement. Voilà. Alors, une dalle IVA, ok, donc là, paf, visual IVS, donc là, faut que je mette ça au-dessus. Allez, enregistrement en cours. Oh non! Il a fait quoi, oh, putain. Il a craqué. Tout ce que je viens de faire, carotte. Oh ben, je le ferai plus tard, la flemme. Ah si, je peux récupération automatique. Pièce 25 mai, ok. Réparer. 15h30. Ah oh ouais, mais ça sert à rien, 15h33. Ah ouais, mais non, ça sert à rien. Ouais, bah c'est mort. En fait, tu fais tout à la scène, ouais. Et tu ne penses même pas à enregistrer de temps en temps. Mais non, mais le problème, c'est que ça plante jamais à la base. Ouais. Putain! Allez, c'est bon. Là, c'est pour fêter la mise à jour de leur truc. Ouais, allez, hop, ça, c'est bon. On bat les couilles, je le ferai plus tard. Hop là, je le ferai plus tard. Ok, hop là. Je le ferai plus tard, mon bat les couilles. Bon, on va passer à la suite, parce que sinon, c'est casse-couille. Hein. Putain, fait chier, Word qui plante à chaque fois, là. Bon, on passe à la suite. Donc ça, exercice. Inscriptif, donc ça enferme. Je ferai ça plus tard. Qatar rajouté, on fera ça plus tard. Exercice 2009, hein, donc ça, on verra plus tard. Mais et ça, on garde ça au cas où. Oh, c'est sympa, pour fêter leur bicadeau, Microsoft. Et en plus, t'imagines, il y a eu plein de sauvegardes automatiques. Il n'y en a même pas une de garder. Ah, ça, c'est dingue. Alors, du coup, on va pouvoir passer à la suite. Hein. Donc là, paf. Alors... Photofoltre. Frechte. Bon, alors, la création du catalogue en question. 3E international. Voilà. Vous voyez, il y a pas mal de petits scans à travailler, on va dire. Il y a pas mal de trucs à faire. Donc voilà. Donc c'est vrai, il n'y a pas beaucoup de pages. Hein. Il n'y a pas des masses, hein, je pense. Ah, c'est vrai, il n'y en a pas des masses. Ça va. Alors. Ah, si, j'ai peut-être le garder quand même pour ouvrir le truc. Alors, donc, du coup, c'est parti. Donc là. Voilà. Vous savez, le truc qui est casse-couille à faire, on va le faire. Voilà. Copier. Coller. Fermé. Ah, par contre, je vais voir où qui s'enregistre. Par contre, bureau, nouveau dossier. 3E. 3E. Voilà. On l'enregistre. Ouvrir. Enregistrer. Voilà. Et c'est nickel. Ouais, j'ai mis exprès en automatique les JPEG. Ça évite de chercher à chaque fois. Alors, donc là, c'est bon. C'est parti. Hop là. Oh, c'est magnifique de toute beauté. Hop là. Copier. Coller. Fermer. Voilà. Ta ta da da ta da da
Non mais là en fait ça va être rapide, en fait il n'y a que 80 scans à faire. J'ai scanné ça en 2 jours. Copier, voler, fermer. Tac, tac. Alors, qu'est-ce que vous racontez de beau, les gens? Voilà. Copier. Voilà. Allez. Voilà. Pied, coller, fermer, là, franchement ça va être rapide parce que je suis déjà arrivé déjà à la première ligne de fête. En plus le catalogue il est bien propre, bien scanné, donc je fais avec amour. Je scanne aussi bien que toi en fait, hein, mon Brissou. Bon, et tu sais, ce merde-là, il était chiant à scanner. Ah, ils sont tous chiants à scanner. Hein? Ils sont tous chiants, je connais. Entre les canoptiques qui déconnent et ceux qui sont possédés, limite certains. Ferme. Oh, quelle merde. Là, fermé. Voilà. Après ça, on va reparler un petit peu. Donc, faire un petit peu tout ça. Je vous parlerai des petits projets que j'ai à faire. Ça peut être pas mal, des fois. Voilà. Recherche en développement durable. Voilà. Copier. Ah, c'est ma mère a cédé. C'est quoi, la balance qui s'abat d'huile ? Non, ma mère a cédé. Elle m'emmène demain à Rambouillet. Bien fait pour sa gueule. Il fallait pas. Mais on prendra pas l'autoroute, hein, parce que j'ai pas envie qu'elle claque dans les mains. Elle a compris qu'il fallait. Elle a compris, c'est mignon. Ouais, mais jusqu'à quand ? Pied. Allez, là, fermé. Voilà. Là. Jeannie Longo. Voilà. Qu'est-ce qu'il est beau, mon catalogue. Voilà, donc, ce que vous racontez de beau, vous racontez pas grand-chose. Hop, copier. Coller. Fermer. T'imagines, en fait, il n'y a personne sur le direct, quasiment. Et à chaque fois, quand le direct est fini, il y a plein de gens qui le regardent. Ça qui est dingue. Ça veut dire que tu l'as fait trop tôt. Hein? Il faut que tu l'aies fait trop tôt. Je sais pas. Ouais, même si on a plusieurs heures. Attends, je vais vérifier par contre.
Est-ce que 3E, il est où 3E. Là. Oui, il fait esprit. L'esprit, dis le tic moi là, ça. Là, donc ça c'est fait. Nous allons commencer par les petites bubules. C'est pas les bubules, là, c'est les décorations. Là, ça va être la merde, là, par contre. Et coller, fermer, tac, bouffe, là, tac, là, copier, coller. Ah, mais... Tu sais ce que je vais scanner? Moi, le Mazda Guide 2003-2004, 600 pages. Je le scannerai. Ouais, si tu veux faire une partie avec moi. Je sais pas, tu as des contacts qui sont pas positifs. Hein? Tu as des contacts qui n'ont pas positifs. Ils ont plus rien chez Mazda, ils ont plus rien. Les salauds là, ils ont tout foutu à la benne. Et actuellement, ils ont été rejetés par Signifi, Philips, ils n'ont plus rien chez Mazda. Moi, je connaissais quelqu'un et il m'a dit que tous les trucs Mazda ont été foutus à la benne. Tous les catalogues de 73 à maintenant, ils ont tout foutu à la benne. Alors qu'on lui avait proposé de récupérer les catalogues pour nous et non. Ah ben non, ils veulent pas les donner, machin, et puis finalement, ça partit à la benne. J'ai dit, c'est après la stupidité des gens. C'est tu leur proposes de la récupérer, puis ils foutent ça la benne. Pour ça que moi, ce que je vais faire, c'est que ceux de Holophone, je voudrais les récupérer. Et... Vous les copiez, récupérez quoi? Tous. Sans exception. Même sans les récupérer tous. Avoir un truc propre, tu vois. Ou même les versions papier. Ça peut être pas mal. Vous les récupérez tous, même les locaux. Déjà, quand je vais aller chez Eclatec, déjà, je vais voir pour récupérer, me prêter, bien sûr. Après, s'ils veulent me donner les catalogues, pourquoi pas. Parce que je sais qu'ils veulent me passer un catalogue des années 80, 83 ou 84. Donc après, c'est suivant avec eux, si je peux. Pied. Voler. Hier, j'étais parti du côté de Film. Ah, non, du côté de Reims. On est parti à Reims, c'était 1h du matin. Oui. Ah, je peux dire que ça pique. Voilà, fermé. Pouf. Là. Ah, après, on va s'attaquer au luminaire. Bon, ça va être un peu gagne, on est déjà là et il y a tout ça, donc je pense que ça va être rapide. Voilà. Non. Là, fermé. Voilà. Donc là, c'est parti, les luminaires. Harmonie. Il faut vivre avec harmonie. Donc là, je vais vérifier en haut. Voilà. Copier. Coller. Ah.
Je veux dire, quand, parce qu'en fait, ce que je vais faire, c'est que le catalogue Mazda 2003-2004, quand je le scannais, moi, ça m'en fout. Et quand je vais le travailler comme là, ce que je fais, je vais prendre cher parce qu'en fait, je vais. Comment l'enregistrer. Oui. Je peux te dire, il y aura des heures. Et ça, par contre, ça va prendre du temps. Copier. Donc, il y a le téléphone qui sonne, mais je réponds pas. Voilà. Donc, là, pof. Là, pop, 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 pop. Voilà. Copier. Coller. Fermer. Voilà. Alors maintenant, ça va commencer à partir après celle-là. Voilà. Paf, copier. Coller. Fermer. Là, oh là mon dieu, c'est hyper casse-couille quand tu vois des dessins de couleurs, on voit pas le trait. Copier, coller, premier luminaire fermé, après il y a tous les autres luminaires qui vont arriver. Donc là, paf. Donc là, avec toutes les versions, je sais plus, il y en a combien des versions de cette luminaire-là de l'harmonie. Copier. Coller. Et là, là. Les fameuses lanternes de... Le Saint-Dizier. Voilà. Toc. Pied. Là. Mmh. Voilà. Je vous garantis, quand on fait ça tout le temps, hein, j'en ai fait des scans. Pas des scans. En fait, toi, tu scannais souvent, puis moi, je faisais souvent ça. Ouais. Voilà, j'en ai fait des ça, moi. C'est rébarbatif, hein. Bon, là, ça va, il n'y a pas trop de pages, donc ça va, c'est pas violent. Mais quand on se tape 820 pages comme le Mazda Guide 92, hein. Hein, mon Brissot ? Ouais. T'as, tu scannes la moitié. Parce que justement, tu scannes divisé par deux. Parce que tu scannes deux pages à chaque fois. Et moi, je scanne à chaque fois. Je travaille à chaque fois page par page. Ah, ça, c'est chiant, ça, par contre. Voilà. Copier. Coller. Voilà. Voilà. Copier. Copier. Fermer. Oh, ça va être rapide, hein, je pense. Copier.
peux aller. Je vais regarder si je voulais absolument rien envoyer. Non, pas de message. Mais. Non. Ah. Voilà. Putain, ça en fait d'harmonie. Hein. Oh. Ok. Coller. On est. Là. Ça qui est bien parce qu'en fait j'ai pas besoin de regresser ou pas. Ça se passe, ça passe quand même tout de suite. Dès que j'ai fini de scanner, de travailler ça, on fera une petite pause. On discutera toujours. Et puis après, on fera la suite parce qu'il y a des autres trucs. Bon, il y a la mise à jour inventaire, il y a l'Orion F et puis le Philippe. C'est quand tu veux faire tout ça, t'as filé dans le... Non. Là, ah. Là, ce que je vais faire, là, on va boire un petit coup, on va discuter tout ça, machin. Ouais. Puis après, je continue avec la mise à jour inventaire. Philippe, c'est 1930. On fera peut-être les plans après. Donc, limite, tu coupes et tu reprends nouveau direct. Non. Mais si on discute, des personnes vont rien voir. Ah si, parce que de rien voir d'eux. Ouais, bon, c'est mieux que tu coupes, que tu dis ça, C'est pas grave, t'inquiète. Mais que là, regarde, il y a quasiment personne. Ah, il y a deux visionnages en cours, cool. Non. Ouais, t'as celui-là qui compte. Trois visionnages maintenant. Alors, du coup, tac. Là, j'étais où? Merde. Il est où le bordel? Là, ok. Je suis là. Tac. Ils sont vraiment beaux. Ah là, Luxor. Là. Trois visionnages en cours. Donc il faut penser aux personnes aussi qui veulent regarder plus tard. Faut pas que ce soit un bloc de 3-4 heures. Oh, tu sais, il y en a qui font des lives au moins de 10 heures. Hein. Ouais, mais qui les regarde après, les formats comme ça? Pas mal de monde, hein? Non. Mais moi, je les regarde, hein? Moi, je les regarde pas. J'attends qu'ils retravaillent leur vidéo, là, sinon j'ai pas envie de les retaper. Surtout quand t'as une vieille brique qui fait tout blanter et qui est comme ça. Ok. Tac. Au pied. Ouais, c'est pas tout le temps que je le fais, c'est une fois par an. Hein. Fermé. Ouais. C'est une fois par an, les autres directs, c'est une heure, c'est tout. Et là, c'est vraiment. Là. Ouais, comme ça. Voilà. Copier. Coller. Fermer. Là. Voilà. Quand c'est chiant, quand il est en traviole, copier, coller, fermer. Ah, ça y est, le voisin, il déménage. Ça y est, c'est officiel.
Ça y est, c'est officiel, ta caisse a été tunée. And then I beat my ride. C'est une bonne émission quand même, Beat My Ride. J'ai regardé Exhibit qui changeait, qui tunait les bagnoles. Ok. Ça existe encore la chaîne MTV? Je ne sais plus. Ça me plairait de savoir si ça existe encore, ce machin-là. Moi, j'ai regardé ça quand j'étais ado. Parce qu'en fait, j'ai plein de trucs à raconter après. Oui, mais si tu racontes quelque chose qui n'a rien à voir, qui est lunaire, celui que tu prends dans ton direct. Ah si! C'est par rapport au du fluo, par rapport au projet Minecraft, par rapport au projet des lampes que je vais récupérer. Et là, mais il y a plein de trucs que je vais parler. Oui, moi, je l'ai fait plusieurs fois. Le métier du dit quelque chose, et là, il n'y a qu'une personne qui est intéressée par une information. Elle est en 5h26. Donc ça veut dire qu'il est prêt de taper 25, un peu plus de 5h30 de vidéo qui lui. Non, en fait, ce que je ferai, c'est que quand j'aurai fait le direct, après, je sais, je ferai des. Comment ? C'est des notes. C'est par exemple à telle minute, il y a ça. Telle minute, il y a ça. Oui, mais les personnes qui sont sur mobile ne pourraient pas accéder à ça. Ah bon ? Ah, non, je savais pas, tu vois. Je savais pas. Tout téléphone mobile qui a moins de 6 gigadral, tu utilises cette option, tu fais crasser la pile. Ah, tu vois, ben, c'est une bonne chose que j'apprends. Donc, ou alors, tu es obligé de la télécharger, supprimer le direct et refaire des trucs. Et découper la vidéo en plusieurs parties. Ah, ouais, je ferais peut-être ça, ouais. Moi, toute petite partie qui n'est pas vraiment utile, que la dégueulasse. Ouais, c'est sûr. Ah, pourquoi pas, ouais. Ah, mais si on peut enregistrer le gag et puis le travail dessus après, ouais. Pourquoi pas. Ah, ça peut être une bonne idée, hein. C'est bien, mon Brissou. Tu as des bonnes idées. Ça fait un format trop long. Long. Ah, en plus, là, tu t'y mets pas combien de temps qui tournait. Ouais. Ça fait combien de temps? J'ai commencé à 17. Oui, ça fait un peu plus d'heure qu'il tourne. Au pied. Je pense que beaucoup de copier-coller. Hein ? Du copier-coller. Oh, mais là, en fait, tu sais, quand je fais mes vidéos, tu sais, je présente le catalogue. Là, oui. Je le présente pas, en fait. Je le fais découvrir en même temps. Pour ça. Je pense que les personnes ne sont pas intéressées par ce truc comme ça. Surtout que la qualité. Oh, mais t'inquiète pas, il sera disponible en téléchargement après. Oui, donc des personnes ils vont préférer peut-être sauter et si ça fait cette partie-là. Attends, j'avais même pas fait gaffe qu'il y ait une lanterne comme ça. Là, anémone. La violette et la pétunia. Je suis bien content d'avoir un catalogue sur la pétunia. Moi qui pensais jamais en avoir. Et... Ah, que je trouve un catalogue fermé. Ah, je trouve un catalogue des années 2000, cet truc-là. Est-ce que ça, c'est un catalogue des années 90? Des années 90. Là, ok. Moi, j'adore les pétunias. Moi, ça fait vraiment penser à des lumières de style. Actuellement, je suis en train de discuter avec un... Comme toi, t'es belge. Avec un bruxellois. Mais tu sais, le bon accent bruxellois. Il est très sympa, le monsieur. Il fait rire parce que, tu sais, il a vraiment l'accent bien, bien prononcé. Rigolo. Là, ok. Je suis à où ? Oh, ça va, on est quasiment la moitié. Pas mal, ça. Hop là. Ouais, de toute façon, je pourrais faire un reback du direct, de toute façon. J'enregistre la vidéo et puis hop. Là, je suis à la moitié, 42 sur 89, ou un truc comme ça.
Ah non, oui, 160. Je me suis gouré. 160 pages. En fait, c'est deux partitions, en fait. Là. La Tennessee. Quelque chose en nous de vache qui rit. Là. Copier. Les autres, j'en ai des autres comme ça à faire en longueur comme ça, mais ça, j'irai voir ailleurs. J'irai voir Reims. Tu peux me le faire. C'est là. La flemme de travailler un catalogue comme ça. Puis il y en a qui arnaquent, hein. On vous défait les reliures, mais c'est nous qui le scannons, donc plus cher. Ah, ils sont malins, il y a des sociétés, des fois, on se demande, hein, comment ponctionner l'argent chez les gens. Tu leur demandes simplement de dégrafer le catalogue pour que tu puisses, toi, le scanner. Finalement, tu te fais arnaquer la tronche parce qu'ils veulent te. Faut que ce soit eux qui te le scannent. Non, mais je m'en fous, moi j'ai un bon scanner chez moi au bureau. Non, mais c'est pas grave, on veut le scanner. Bah attendez, pour refaire. C'est les gens qui vendent du rêve. On peut faire ça, hein. Il faut qu'on le fasse intégralement. Vous pareil pour la facturation. Ouais. C'est pour avoir une bonne facturation, bien, bien, bien costaud. Sais, au lieu de payer 3-4 euros pour le dégrafage et puis tu scannes toi-même, là tu te retrouves à 200 boules. Tu n'as les catalogues qui font 100 boules. Et quand tu scannes 100 pages, ça revient vite. Hein. Ça, c'est le bon son dehors. Bien, parce que le voisin, il bouge. Il, comment? Il part, mais c'est toujours son appartement. Comme ça, s'il y a des gens qui t'invitent, toi, tu pourras te renseigner. S'il y a des gens qui t'invitent de Belgique et tout ça, puis qui peuvent pas habiter quelque part, au lieu de prendre l'hôtel, ils peuvent venir là. Hein. Parce que ça va devenir une espèce de, tu sais, une maison d'hôte. Appartement hôtel. Hop là. Là. Donc là, les petites bouboules, les diffuseurs et compagnie. Façon, cette partition-là, je vois peut-être un accéléré. Hein. Je le dis. Copier. Fermer. Voilà. Là, t'en avais bientôt. Ça paraît pas, mais on est déjà quasiment à 40-50 pages. Quasiment le tiers. Copier. Allez. Donc après, je discute avec vous 2 minutes pour les projets. Les projets. Il n'y a plus personne. Bon, t'inquiète. Mais ouais. Oui. Débarrage du diable qui est ici et ton retour. En gros, les deux visionnages, c'est ta part. Ils sont là actuellement. Les deux visionnages, pourquoi? Le visionnage de la production du direct et le visionnage qu'il a, en fait. Non, parce que d'habitude, il y a zéro. Donc, malgré que j'ai ça. Là,
Ok. Là, la Malaga. Ok. Collé. Voilà. Il y a quand même pas mal de diffuseurs à l'époque. C'est donc à l'époque qu'ils aimaient bien quoi les diffuseurs. L'époque révolue. Sans toute partie là, ce que je fais, ça sera mis en accéléré. On le dit quand je vais refaire le truc. Quand je vais travailler. Copier. Voilà, fermé. Là, copier, coller, mais paf. Voilà. Coller. Voilà. Bien. C'est le bouquin dehors. Merde. Paf. Ah, la partie candélabre. L'esprit famille. Hop. Copier, coller, ah et les moucherons qui reviennent, les petits moucherons orange, on en a souvent. Mais j'ai refait des blocs. Je te montrerai la qualité. Copier. Ouais, c'est rapide. Tellement habitué de faire ça, moi je fais même plus gaffe. Copier. Allez. Quand même beau ce catalogue là, quand même. Je suis bien content de l'avoir et je pensais pas la récupérer ce catalogue là. En plus je pensais pas du tout le récupérer.
Ça, c'est dingue de penser que ce catalogue-là, à la base, on me l'a prêté. C'est étonnant que Thomas Tollet ou tout ça, toute la bande à Bruno, ils sont pas là. Il va peut-être occuper quelque chose d'autre. Une fois, je sais qu'on avait fait un direct, il y avait le foot. Il y avait une personne. Ouais. Et quand on avait fait le direct, ça marquait zéro. Zéro visionnage en cours. Non. Oui, mais le cadre ne tournait pas. Il tourne le cadre. Ah, il y a du monde qui arrive tout à coup. Oh, il y a du monde, ouais. Il y a du monde. Il y a du monde. Et il arrive à la fin. Ah, tiens. Ah, Mathieu. Ah, Mathieu. Mais... Donc, de toute façon, dès que j'ai fini le catalogue, je vais pouvoir papoter. Donc, j'en ai pas pour longtemps. Donc, après, on pourra parler un petit peu des projets, tout ça. Puis voilà. Alors, hein, donc ça, c'est fait. Ah, d'un coup, toi, il y a quatre. Ah. C'est pas. Non, je sais ce que je vais faire. Bon, je sais pour quitter le visionnage, là, en fait. C'est pour voir que le texte. Voilà, comme ça en fait, il n'y a pas. Ok. Ah, Sigma. Mage HM Sigma. Ok. Ça dit pas quelque chose, cette lanterne-là? Là. C'est ce qui a pire. Tu vas avoir une photo de l'entrée des Pernets en passant par Piri. Regarde. L'ancien logo des années 90. Le bon vieux logo des années 90. Mais c'est le bas bienvenu du Chloé Pernet. Capital des sales colons. Avec Alcolo FM. Je sais pas où est-ce qu'il était. Je pense que nous, on était un des référencements de l'époque. Pour ce modèle-là. Ça va être magnifique là, quand ça a été installé, ces machins-là. Ça date de vieux quand même. Hein. Ça date... Ouais, c'est ce que je dis. À mon avis, ça doit dater des années 90. Non. Copier. Coller. Là.
les permet. Voilà. Voilà. GHM. On passe. Il ressort de musique des années 2000, là, le voisin. Et... Là. Ok, allez. Ok, allez. Triangle. Et... Là. Ok, allez, là.
Ah, je suis déjà à la moitié déjà. Oui. Sur la base, il y a combien de pages? 86. Donc ça fait 100, 163, 100, 172. Ah, oh, ça m'étonne là, 160. Tu peux me le passer, le catalogue, s'il te plaît, je vais regarder. Et où? Dans l'armoire là-haut, un catalogue. Il est où? Ah ah! Où est-ce qu'il est? Ah, il est là, tiens. Là, ok, le tas. En dessous des deux, là. Okay, il y a le rouge. Voilà. Mais qui est mon brissou? Alors, il fait combien de pages, celui-là? Ah! 167 pages! Ah, c'est bien, hein! Je suis déjà arrivé à 80 quelques pages. Ouais, mais je suis arrivé à la moitié. C'est ce que je disais. Là, donc là, nous sommes ici. Ah, tu vois, je suis là, j'arrivais à cet endroit-là. Copier. Là. Donc, oh, putain, affichez les moucherons là. Moucherons à roche. Ça. Apparemment, ce matin, il y aurait eu de l'orage. Oh, je crois qu'il a plu, ça c'est sûr. Mais quand? Voilà. Je sais pas où était réellement la société, cette société-là, trop internationale. C'était français, mais alors là, où? Ça faisait des belles choses. Voilà. Copier. Ah, vache. Lol. J'ai pas fait gaffe qu'au-dessus, il y avait des trucs en moins. Fosagora, il va me refiler aussi encore un catalogue trop international. J'espère qu'il n'est pas comme ça. Ça me ferait chier encore. Là, il y a encore plus troll. Et parce qu'il y a encore plus farfelu. Plus en longueur. 4 mètres de longueur. Qui ne rentre pas sur l'imprimante A3. Et les catalogues qui ne rentrent pas sur le format A3. Oui. Ça me dit, c'est qu'il était clair pour les scanner. Carotte. Non, je sais où que j'irai. 4 millions euros la passe. Oh, tu sais qu'il n'y a personne. Copier.
coller. Nautilus. Nautilus, c'est la piscine de Vertus, hein, Nautilus. Tu as déjà été à Nautilus? Oh non. Là, c'est une piscine en forme de bateau. T'as un 162 ou 166? C'est vraiment... T'es compris qu'en fait, c'était comme ça. Il était devant le direct, mais qui regarde. À la place de regarder le direct, il regarde la télé. Ouais. Donc, est-ce que l'électricité générale, tu regardes le direct depuis tout à l'heure? J'aimerais bien savoir si tu regardes le direct depuis tout à l'heure, en fait. En fait, on se sent un petit peu seul d'un coup. En fait, je sais qu'il y a des personnes qui visionnent, mais je ne sais pas si réellement. Il visionne ou la vidéo est embuée, il regarde la télé. Papier. Ah, que des fois. Ah, je te le dis, des fois, ils s'en fourbent, en fait, mes abonnés. Ils regardent le direct, mais ils disent rien. Ils continuent qu'ils ne sont pas intéressés. Ben, comme... Non, mais comme tous les autres directs. Hein. Moi, c'est pas grave, je regarde les directs, je regarde, c'est tout. Oui, mais quand il y a beaucoup de monde qui regarde, ça va. Là, normalement, ça se passe bien, c'est bon. Ah, ok, donc avec deux directs différents. Ok. Donc, il faut deux cordis. Copier. C'est con parce que tout à l'heure, quand le catalogue sera fini, tu vas louper quelque chose. Une lanterne très intéressante. Invasion. Donc là, hey, en fait, ils sont avec quel direct, en fait? Un direct d'une chaîne, c'est tout. Ah oui, mais une chaîne de quoi? On sait rien. Et là, ils sont avec une vidéo de gaming avec Fortnite dessus. Ben ça va pas étonnant. En fait, ça, les trucs de gaming, c'est souvent ça. Ah, pourtant, on a dit. Attends, l'électricité générale. Non, je sais plus si c'est lui qui fait. Je suis là et je bricole. Ah, mais bon, si c'est pour faire deux trucs en même temps, hein, je suis pas binaire non plus. Hein. Ok. Ok. Lol. j'installe une réglette ferro. Mon Brissou qui est en train de mettre OK comme pas possible. OK. Oh là là. Ah ouais. Éclair. Ah, franchement, je crois international, ils avaient vraiment de l'imagination quand même. Peut-être que demain, je vais récupérer des catalogues très intéressants. Ah ah. Dieu seul le sait. Peut-être que j'ai récupéré le 76. Ça serait intéressant, le Mazda 76. Comme ça, j'aurai le Mazda Guide et le Mazda 76. Ah, putain, on peut pas mettre pouce bleu au comment. Attends, ça, une minute, parce que là, tu vois. Je fais ça en vert. Je sais pas qu'on pouvait mettre des emojis, tout ça. Copier. Mais... J'ai un PC, j'ai un vieux et un PC de connexion de merde, mais j'y arrive. Ah, ok. Ah, ça, c'est vrai, c'est casse-couille. J'ai un vieux PC et une connexion de merde. Ah, ça, c'est sûr. Quand tu cumules les deux, c'est... Ça pique. Hein.
Ça pique. C'est comme quand t'as un PC qui commence à se prendre pour le guirlande de Noël. Ta 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 ta. Comme le tien. Non, c'est ma lume. Qu'est-ce que je fais? Oh, j'ai la flemme. Ah, si, je l'allume. Oh, non, j'ai la flemme. Ah, si, je l'allume quand même. Oh, j'ai la flemme. C'est le truc. Oh, le PC, il aurait une mentalité, il le dirait ça. Oh, j'ai la flemme. Oh, je vais l'allumer quand même. Oh, j'ai la flemme. Ouais. Allez, c'est ma lume. Pour ton allume, avant d'arrêter. Connard! Voilà. Coucou! Je valide uniquement par facile. Oui, c'est. Que la barque, rien d'autre. Pif, méta. Aïe, aïe, aïe. C'est l'interne là, il y en a au lac du Dert, ces machins-là. Copier, coller. Non, tu vois, ils voient quand même ma vie. C'est pour ça qu'il y avait deux visionnages tout à l'heure. Il y a les deux en fait qui visionnent, mais regarde. Ça disait, ouais, il y a ton PC dans le PC. Je sais que quand il y a personne, c'est marqué zéro visionnage en cours. Ça, je savais qu'en fait, il y avait des personnes qui regardaient. Parce qu'en fait, toi, ça compte pas puisque c'est sur ta chaîne. Tu comptes pas le visionnage à toi. Ah si, le compte que la vidéo est reliée tire. Qu'est-ce que je vais mettre encore? Pyros. C'est un PC avec Windows. Oh. Le petit troll. Quoi, ça, c'est un vieux truc. Ah ouais. Ah oui, c'est vrai, il a dit un vieux PC. Ouais. J'ai un vieux PC, donc ouais, Windows 98. Hein. Là, tu vois bien qu'il répond non, XP. Non, Vista. Ouais, comme c'est de la merde. Quand je t'ai plus que la publication que tu XP, c'est du verdict. Ah, je sais pas. Surtout quand tu le connais avec Internet, t'as des bizarres, des psychos qui disparaissent, une tête de mort qui claque de temps en temps. Oh. Oui, c'est la fête des virus. Ah, mais si tu ne connectes pas Internet. Si tu ne connectes pas Internet, là, tu connectes pas, mais tu te connectes et tu fais plus. Pour ça, moi, j'ai loué des XP là-bas, que je les connecte. Là, j'ai mis sur Internet. XP. Le truc de dingue. Ah, on m'appelle, je réponds pas. Eh, hey, c'est une idée. On le recherche au téléphone. Hein? On le recherche. Ouais. Il manque plus une partie là-dessus. Si. Donc là. Ouais, tu peux faire ça, hein, t'inquiète. Hein. Il est branché le truc. Hein. Oui, c'est pas mal. C'est pas mal quand il va brancher dessus. Bah déjà, vu comme c'est là, ça s'expose. Bah plus de compteur, plus de direct. Et plus de traitement à l'autre côté du bourgeois. Plus de bande son. Plus de bande son, plus rien. Et même plus d'humain qui est l'autre côté. Même l'humain qui l'a branché, s'il te plaît. Ouais.
On arrive bientôt à la fin. Hein. On est déjà à 103, je crois. Non, je regarde à quelle page. 103. 103. Et il ne reste plus qu'une soixantaine de pages. Oh, c'est un petit 2011, c'est pas si vieux que ça. L'autre jour, j'ai récupéré un barème lampe Philips avril 2010. Mercredi, les techniciens de l'EP changeaient toutes les lampes qui, elles, marchent encore. J'ai eu 600 watts, une HP 49 en cadeau. Et mon PC, c'est un 2011. Ah, bah c'est super ça, si t'as récupéré des lampes intéressantes. En Philips 2010, je crois que je vais l'avoir. Bon, j'ai un peu de tout donc. Donc, ça, quand t'as un PC qui te reproduit sur Windows 7. C'est un Windows 7 alors. Je serai là pour la fin. Ok. Copier. Coller. Là. Bizarre parce que Thomas Tollet, à la base, il est toujours là, Thomas Tollet. Il y a peut-être quelque chose de prévu. Il n'est peut-être pas d'avoir un ordi dit devant son téléphone. Ouais. Oh, mais à la base, c'est le 31 que je fais direct, donc je pense qu'il était prévu. Il sait que le 31, c'est bon, mais c'est vrai, j'ai pas fait d'annonce en fait. Bientôt, regarde, on est là et on est bientôt arrivé à la fin, tu vois. Les lampes, je vais sûrement faire une vidéo ici. Oui, c'est un Windows 7, toi. What? Ah, ok. Parce que les pages, ils sont tellement bien blanches. Que je vois pas le milieu en fait. Pied. Coller. Ah. Je vais voir ma petite canette. Je commence à avoir soif. Ah, puis après, c'est le Vista. Après, le Windows 7. Non, mais après, c'est le Vista. Après, le Windows 7. Le Vista, il veut dire après 7, mais pas le contraire. Ouais. Ah, pareil, t'imagines, de XP à Vista. Ah, je la merde, toi. La paix, la merde. Donc, c'est pas Windows, mais des IOM. À mon avis, c'est imposé qu'il arrive à faire pire que des IOM. Ah, ben, tu sais que Windows Vista, ça l'a quasiment rattrapé, quasiment. Non, non. Ah non, ils n'ont pas rattrapé. Il fallait que Vista soit 4 fois pire comme il était à... comme il était à Grand Essai, pour qu'il rattrape le Windows Millennium. 4 fois pire? Oui, 4 fois pire. Alors, t'as allumé une image, ça crache direct. Hein? Dessin, Windows Media, t'avais un Windows Media dedans. Mais ça, quand tu voulais débarrer, il faisait un blue screen. Ouais. Donc en gros, tu pouvais pas l'utiliser. Ouais, on est loin du compte de Vista. Ah oui, Vista à côté de Millennium, c'est une crème.
Qu'est-ce que tu vas envoyer, mon brisson, quoi? Envoie Windows XP, Vista, 7, 8, 10, 1, 8, 1 ou 10. Ouais. Et avant XP, attends, dis rien. Et avant XP, il y avait quoi? Avant XP, si tu sais très bien. De la genèse à XP, il y a quoi? Je sais pas si t'as quel âge, genre je peux pas savoir si tu connais ou pas. Non. MS-DOS. Attends, je suis en train de libérer. Attends, je vais taper si tu veux. Oui. Attends, je mets déjà là. Attends, c'est fait. Virgule. Ah, papa. Non, je vais mettre plutôt des traits d'union pour séparer les virgules. Viens, quoi? Comment? Voilà. Là, c'est pas grave. Donc, il y a ça. Ah, merci. Non, c'était bourré, c'était bien entre le 1.1. Voilà. Alors, du coup, on était là-dessus. Ouais, ok. Ah, il en a oublié quelques-uns. Ah, il en a oublié quelques-uns ? Oui. 1, 3, ouais. Allez, bon, lui, le fil. Ouais, il est chiant. C'est ce que je vais faire. Ouais. Marquer quoi? Non, ils ont jamais sorti officiellement. Non, les démos, on les donne. Ah, pas. Ok. Donc, sinon. Bah. Tu dis les démos aussi, il y a quoi? Il y a quoi aussi comme démo? Ah non, les démos, ils sont établis commercialisés. Je sais, mais si. Non. Et là, certains, ils trouvent du baby giggle. Ah bon? Oui. Ah! L'utilisation, parce qu'il avait des codes sources qu'on pouvait quitter, qui servaient à détourner certaines choses. Ah, je vois, je savais pas. Ah, je savais pas en fait. Je sais pas, il a quel âge en fait. NT3. Oui. Donc, là, ils sont cons. Donc, après, ils sont où? Qu'ils sont séparés en étoiles, en force pour donner les versions familiales, les versions. Il y a aussi serveur aussi. Oui, mais ça, tu commences avec les serveurs, ça, je les connais pas tous les serveurs. Là. Merde. Je suis complètement dissipé en fait. Je suis déjà arrivé à 111. Il ne reste plus qu'une cinquantaine de pages. Copier. Voilà. On met. Ouais, j'ai une page qu'à sauter. La pire des verres.
pire des versions. Et je crois qu'il avait... Plus aussi, il y avait Windows Plus ou je sais quoi. Ah tiens, marqué. Je pense que là, il aura ce qu'il faut. Donc, il faut savoir que qu'elle avait la version 2000 avait eu un autre nom avant qu'elle sorte. Mais on s'est acheté, il connaît aussi une autre version, la version 2000. Elle était connue aussi sur la version NT5. T'as vu? Avant XP, oui, Microsoft faisait que du MS-DOS. Là, je crois que si vous voulez savoir, Windows Server 2003, ok. Ouh, il s'y connaît quand même pas mal. Hein. Il a 14 ans, le garçon. Oh, le petit doudou. Oh, tiens, on t'a envoyé la liste de ce qu'il y avait avant. Il y a plus, hein. Il y a plus. Alors, il y a du plus plus. Je veux savoir, Visual C++, ça existe encore, ça ? C'est même plus. Bref, c'est des trucs, ça, des fonctionnalités qu'on utilise avant, mais... Je sais pas si... Il faudrait que je regarde, tu sais, sur les programmes. On tape en premier si t'as fait quelque chose. C'est pas grave. De Win qui tombe, Win qui écrit rien. Ça en fait du Windows. Un Windows Millennium. Quelle offre. Quel merdique. Quel merde. Programme version. Merde. Bah, dis-lui, c'est ce que j'avais dit. Simplement, s'il s'y connaît, parce que s'il connaît déjà les noms des serveurs, je crois que c'est. Mais non, ça va, il doit connaître aussi les machins. Oui. La SF, version Chicago et machin. Donc ça, c'est des démos qui n'étaient pas censés destinés et connus pour le public. Oui, je suis d'accord. Et il devrait peut-être le connaître. Qui n'était pas normalement être connu. Ça, c'était une fuite. Et les personnes qui ont fait la fuite, ils se sont virés pour faute grave. Waouh. Oui. Communication des données confidentielles de Microsoft. Waouh. Et c'était une vote quand même... C'était quand même des secrets, tout comme ça. C'est comme si tu dis, tiens, tu donnes le code nucléaire, quoi. Oui, c'est ça. C'est comme si tu donnes... L'accès à la Banque de France. C'est comme si que tu veux mettre le système dans... Que tu veux faire couler Microsoft. Et comme par ça, toutes les personnes-là qui ont décidé d'autres versions-là. Les versions démo qui ne devaient pas sortir étaient des espions de chez Apple. Ouais. Ah oui, ils ne se partaient pas. Ouais, mais maintenant, on le sait maintenant. Oui. Mais ces versions-là, elles sont cache-bulles. Tu ne peux pas les trouver. Et en plus, tu as très peu de batteries compatibles avec ces versions-là. Je sens que c'est des versions qui servaient à essayer le système. Ça me dit que tu as peut-être. Quoi. Ouais, ça peut être des versions administrateurs. Ah. Compatible avec peut-être un style ou deux styles d'appareil, que Windows est compatible avec n'importe quel appareil normalement. Ah, si on pouvait mettre macOS sur n'importe quel ordinateur. Et ne pas penser pour éviter à un ordinateur à 2000 balles. Toi, tu achètes un ordinateur d'occasion à 100 balles, tu mets macOS dedans. Ah là, ça marche pas! Ça marche pas comme ça! Non, non, non! Désolé, la moitié des composants de l'ordinateur n'est pas compatible.
Un petit prank de l'année. Ok. Allez. Oui, bonjour. T'as fait une connerie. Pour la peine, je vais mettre de punir. Non, qui doit connaître lui. Parce que depuis le temps, hein, ça fait des années que ça a sorti. Oh, la certaine version, toi, tu dis. Je le sers. Tu l'utilises aujourd'hui, je ne sers plus à rien. Essaye de regarder. Hein, parce que moi, si tu essaies de regarder un DVD sur la première version de Windows, essaye toujours, ça ne fonctionnera pas. Ou alors, essayez de mettre un MP3 dans du 95. Il ne reconnaîtra pas le format, parce que le format n'existait pas encore. Apparemment, il y aurait aussi une version de Windows, comment ? C'est à moitié XP et moitié Vista. Attends, David. Ils ont fait comment pour créer Vista ? Ils n'ont pas recommencé à zéro. Ouais. Ils ont pris la base de quelque chose. Et le CMD, il tape depuis le début de Windows. Il est toujours disponible dans Windows 10. Ouais. C'est-à-dire qu'il ne commence pas de zéro. Heureusement, sinon, tu auras une version de Windows qui sera tous les 15 ans. Ouais. Attends, de toute façon, c'est Windows, c'est comme une mise à jour de mode. Hein. C'est comme une DLC ou une chose comme ça. Hein. Les versions, hein. C'est comme une version de mode. Ah, oh, on a bientôt fini, je suis content. On arrive à 121 ou 124. Non, c'est vrai, ils y connaissent. Wizda est basé sur le noyau de XP. Ah, mais ils sont gaufrés là-dessus, parce qu'ils ont la merde. Oh, il y a toujours des erreurs. Quand ils sont sortis Windows Millennium, ils se sont fait une belle perte, belle la merde. Heureusement qu'ils ont ressorti. Ça s'est quand même forcé à sortir XP quasiment un an et demi plus tôt. Avec beaucoup de trucs qui n'étaient pas finis dessus. Ouais. Comme un ordinateur qui a passé par la fenêtre avec Millennium dessus. Beaucoup trop. Ouais, j'ai un tout nouveau ordinateur. Il y a le dernière Windows. Windows Millennium. Ça va l'allumer. Blue screen, comment ça? Ah ouais. Ah non, t'as... À peine démarré. Un ordinateur sur 20? Sur 20, donc en gros, t'avais déjà. Sur 100, t'avais déjà 5 ordinateurs. Qu'il avait de la chance. C'est à l'allumage. Que Windows n'était pas encore configuré. Qui t'avait le droit de me screen. Tout était bugué dans mes liens. Tout, sans exception. Même la barre des marines des buggy. Ah bon? Oui. Tu pouvais pas avoir plus 5 éléments. Et c'est quoi la différence entre 2000 et Millennium? T'avais une version qui était destinée aux professionnels, une version destinée aux... pour familial. Là où il est d'assaut, la version familiale, c'était Millennium. Ah ouais, ça m'en doutait, hein. Putain de version de merde! Beaucoup de gamins! Et si t'avais la version professionnelle? Si t'avais la version professionnelle, t'avais la version de dans les Windows 2000. C'est bien ça. C'est pour ça qu'ils ont fait deux versions différentes, les enfoirés. Et bref. C'est pour ça que maintenant on dit Windows 10 Pro, Windows 10 Familial, Windows machin. Là, c'est que, là, on avait deux versions différentes. Là, c'est la même version avec des fonctionnalités en plus. Là, en fait, t'avais envie, en fait,
T'avais envie de deux pentes au cap de la Floride qui t'aimait pas UFB. Ouais. En plus, je sais pas si toi tu sais, mais en fait, à l'époque, on n'avait pas la souris. C'était un crayon optique. Tu rappelles de ça, le crayon optique? Ah non, ça, c'est vieux. Non, non les vieilles souris qui n'avaient pas de sortie. C'était pas des sorties USB, c'était des sorties spéciales. Ah oui, c'est dans les années 90, c'est vrai. Avec la vieille bouboule. Ah, la The Bouboule. Ça, c'était une souris, cette machine-là. Il suffit que la boule, qu'il avait trop de crasse autour de la boule, la souris de boule ne servait plus à rien. Oh, je pense que c'est pas normal qu'il y ait des souris optiques. Heureusement. Dommage, bouboule. Ouais, comme ça, tu peux plus voler la boule. Qu'est-ce que j'ai pu piquer les boules de souris, moi, quand j'étais ado. Toi, mon garçon, je pense que t'as pas connu, toi, la boule de souris. Comme elle... Oui, bonjour, je suis Windows Millennium. Il me faut 5 heures pour envoyer abeille. C'est ça le pire. Attends. Putain, quelle merde. Et là, t'écris comme ça. Merde, Blue Screen. Il fallait pas trop taper trop vite quand il y a Liam. Sinon, il pétait un plan l'enfoiré. T'as vu, Phil? Un peu plus de 84% des ordinateurs qui avaient 8 millénium ont été formatés pour être équipés dedans. Hein? Les 5% restants, c'est pas qu'ils n'étaient pas compatibles avec PC qui sont filés à la poubelle. J'étais en train de bien faire ça, je quitte carrément le programme. Moi, comme un con, lui cliquer là, je clique là-haut. Bon, hop, c'est parti. Il en reste plus beaucoup là, on est à 129 sur 160. 129, 400 millions de pages. Oui, tu trouves un temps de pages, donc lui, tu trouves un temps. Je pense que tu as un temps de pages en fait, 4 millions de pages. Tout catalogue tout confondu. Hein? Trouve bien 4 millions de pages. Tout catalogue confondu. Ah ouais! C'est quoi ce que je ferais? C'est que je calculerais quand je tiens, parce que quand on déménagera l'armoire, je regarderai tous les catalogues, je calculerai tous les pages qu'il y a dedans et tout le poids. Tu sais, faire un pedigree de toute l'armoire. Puis tu décides de faire un seul et unique PDF avec tous les catalogues réunis. Je pense que c'est possible à faire. C'est possible. Je pense que c'est possible. Il suffit de trouver simplement la manip. Copier, coller. Tout réuni. Tout téléchargé. Hop. Comme un site qu'il y avait avant. Ah, oui, c'est... ah attends, qu'est-ce qu'il met? Sinon, j'ai deux BF-125 qui sont tellement fonctionnels. Fonctionnés dans les Girard à raquettes que maintenant, moins qu'une BF-80. Ah, j'en ai d'autres. Si j'ai connu les boules de souris. J'ai récupéré un PC sous Windows 95 qui marche parfaitement. Oh, c'est bien, il est... Il apprivoise de Windows 95, le garçon. C'est l'heure des disquettes. Je t'enfile des disquettes de GEP dans les années 90. Tu veux. Rappelle les vieilles disquettes de GEP dans les années... Sur la Windows 95. Ah, la vache. Un boucan du lecteur disquette. T'imagines que les débuts de GEP ont commencé avec un Windows 95. Je sais pas si tu te rends compte, avec disquette, les enregistrements sur disquette. Faut que je les retrouve, les disquettes, et je lui en montre une si je les retrouve, les trucs. Ah ouais, ça date de vieux, tout ça. Hein. Ça date de vieux. Et tous les disquettes, elles étaient transférées sur USB, crash à XP. Ah ouais, j'étais content quand j'ai récupéré ça, quand même. J'étais bien content quand j'ai récupéré ça. Hein. Quand j'ai eu le XP en 2005. 2004 ou 2005, je crois que c'était 2005. Parce qu'avant, on avait le 98. Heureusement qu'on n'a pas eu les dégâts. Au début, on a eu le 95, après, on a eu le 98. Heureusement qu'on n'a pas eu le millénium. Sinon, tu l'aurais éclaté comme le Vista, mais un an avant. Putain.
Ah non, plutôt. Et t'imagines quand même que mes inventaires, mes premiers inventaires de lanternes ont été faits sur Windows 95. Mes premiers inventaires de lanternes et de lampes. Ah, ça date de vieux tout ça quand même, on rajeunit pas. Hein. Oh là, attends, je me rappelle de ça. Quand on faisait les gogoles avec la mascotte. Tu l'as mis la mascotte sur ton site, sur ta chaîne. Je crois. La mascotte de Windows 95. Pourquoi t'as pas mis la pub démarrage? Ah oui, j'en pense à toi hier. J'ai retrouvé mes souches de Windows 95. Oui. Et il faudrait qu'on regarde les icônes. Oui. Je te montrerai après. Quand on aura fait une directe. Là, ok. Et j'ai tout le système 32 et tout encore hein, sur Windows 95. Je peux le démarrer entièrement si tu veux. Hop là. Prosper, yop la boum, c'est la voix du Pan Peace. Hop. On arrive bientôt à la fin. Le son que ça vient. Aspu, 5, 6, 6 fois 6, 26, ouais. Non, 6 fois 6, 36. À peu près 37 poches. Copier. Play. Ah, mais. Ah, non. Vous imaginez, c'est tout le temps comme ça. Quand je fais des... Là, en plus, c'est 160 pages. Imaginez 820 pages quand j'ai fait le Mazda Guide 92. Hein. Non, parce qu'il faut jouer, parce qu'en fait, je me nique ici, en fait. Je vois si je peux rajouter un peu plus de place parce que là, voilà, ce sera mieux. Là, copier, coller. Voilà. What? Ah non, c'est bon, non, c'est moi qui a bugué en fait. Non, en fait, la mascotte et l'intro de 95, c'est pas sur YouTube, c'est sur mon ancien chaîne, sur tes vidéos chaîne. De... Ah, tu la remettras dessus? Oh, si, sur toi, je trouve que je possède, je crois que je possède même plus sur ton site et l'adresse là qui est attachée. Non, mais je te refilerai les vidéos. Et l'adresse mail qui était attachée avec, elle est même plus active. Notre coqueluche de Windows 95. Ah ouais, attends. Je la ressortirai les coqueluches. Donc en fait, c'était sur. Ah ben tiens, si t'es toujours là, quand j'aurai fini le catalogue, je te montrerai le générique de Windows 95. Tu vas surkiffer la qualité audio, la qualité vidéo. Ah, attends. Là, ok, ça c'est fait. Là, hop là. Orchidée. Plus facile, plus rapide. Et là, t'as la tasse de thé qui tourne. Oh là là. T'en rappelles quand on regardait ça? On n'avait pas de son, on savait pas ce qu'il racontait, le mec. Ah, la coqueluche. Il faut pas s'attendre à du 1080p, vidéo qui date de cette époque. Même pas du 720p, hein. C'est du 380 maximum. Dans le droit de format. 280 ou 240. Ah oui, c'est vrai que TV Motion ne prenait pas le format 144. Ah ok, non. J'ai failli me gourer. Anémone.
c'est... Je suis des Pernets. Ah, bonjour. Ça va bien que tu fasses une vidéo sur les lampes Philips ou Mazda VS Osram. Je connais déjà la réponse si on regarde les tubes de mon collège. Lol. Oui, pour la vidéo de 95. Là. Ah, t'as directement envoyé le lien, tiens. Oui. Je suis d'Épernay. Ah, bah c'est super, nickel. Bah, oui, on est d'Épernay, en fait. Là, donc là, ça c'est fait. On a ça. Hop. Voilà. Copier. Coller. Non, c'est vrai que Windows 95, c'était une tuerie quand même à l'époque. Bon, il ne fallait pas non plus compter sur les fonctionnalités qu'on a maintenant, mais bon, c'était un bon système d'exploitation. C'était une révolution à côté des championnats de version. Ah ouais, Windows 95, c'était une bonne tuerie, ça. C'est la première fois que tu avais le droit au deuxième clic sur la souris. Ouais, ouais. Avant, tu n'avais qu'un seul clic. Et avant, c'était un crayon optique sur le Windows 3.1. Non, tu avais le droit à une souris avec un clic aussi. Ouais. Mais le crayon optique, c'est quand, ça, à peu près? Le crayon optique, c'était plutôt pour les versions... 1.0, 2.0. Non, les versions qui avaient un écran... Tu vois, des gros trucs de... Tu vois, on voit les facteurs avec un gros truc de commande, un truc comme ça. Les versions qui avaient ça dedans. C'est en fait, le problème, c'est que... Moi, je me rappelle, quand j'étais en primaire, il y avait des Windows, les premiers Windows... Mmh. Et c'est un crayon optique que tu tapais sur l'écran. C'est l'écran normal d'un cube. Oui, mais entre-temps, ils ont compris qu'une souris à 4 clics coûterait moins cher que de faire un écran cathodique 4 de tactile. Ouais. Surtout que le tactile, tu ne fonctionnais pas plus toi, ils vont te dire que le bordel, tu perdais le stylo, tu pouvais mettre l'ordinateur, le débrancher et le mettre à la poubelle. Un seul crayon optique, hein, je me rappelle, tu avais un petit bouton sur le côté pour le machin. Et même, tu fallait ouvrir le MSO, c'est le Windows, à l'époque. Il démarrait pas comme ça, le Windows. Tu ouvrais le PC, hop, tu avais le machin, et puis après, tu faisais exécuter, je sais plus c'était quoi, Windows Exe. J'ai essayé de te faire tourner dans une machine virtuelle 3.1. Waouh, ça faut que tu me montres ça. Mais la machine virtuelle a planté à me donner à effacer la version. Merde. Salut. Que tu avais ça, c'est ça préécrit sur l'ordi, sur l'écran. Il fallait taper oui. .com. Parce que avant le .com, c'était pas pour le site internet. Comment on va? Non, les .com, c'était l'ancêtre des boîtes clés. Ah ouais. Et dès que c'était en là, il fallait préciser Y pour démarrer Windows. Ouais. En plus, tu as tapé la commande, mais tu n'as pas reculé, tu n'avais plus envie de la démarrer vite. Ouais. Et c'était merdé. Surtout quand le bordel était configuré en. N'était pas configuré en HRT. Donc la moitié des lettres, certaines lettres, c'était pas à leur place. Et il y avait aussi le clavier avec la cassette sur le côté. Oh, ça, c'était avant Windows. Ah, c'était les systèmes Commodore qui tournaient sur ça. Putain. Je sais, il y avait des claviers aussi, comme ça. Il avait plusieurs jouets différents. Ah, pas jouet. Le clavier, comme ça, avec la cassette. Non, c'est pas jouet, c'est de systèmes différents et de gros structures différents. Ouais. Apple a voulu donner le coup de pied dans le même pour supprimer tout le monde. Flûte. Ils ont réussi à supprimer tout le monde à l'exception d'un. Ils n'ont pas pu éliminer, mais qu'ils ont grandi plus vite que Microsoft. C'est ça?
Microsoft, quand t'es plus rapide qu'eux, sinon, il n'y aura que du Apple et rien d'autre. Il n'y aurait que des ordinateurs de 1000 balles. Oui, il l'aurait coûté peut-être moins cher aussi, il faut dire. Ou plus! Si t'es le seul à proposer qu'une chose, si tu le fais moins cher, t'as quel intérêt? Bah ouais, c'est sûr. Déjà, ils sont pas les seuls, ils facturent quand même des ordinateurs de 1000 balles. Mais si, l'ordinateur qui était à 50 000 balles, on serait tout sur du papier. Ouais. Ah, t'as mis la petite vidéo de sympatoche. Les jeunes, ils vont regarder ça, ils vont être sympas, ils vont être contents. Ils vont être contents. Les petits vieux rétro. On peut dire que ça fait un peu rétro, retourner sur tes vieilles mousses dans le même temps. Oh là là. Et regarde. Il y a 5 ans! Plus facile, plus rapide. Ah là c'est ouais, la tasse de thé, c'est avant. Ouais. Ah, t'es rien demandé, toi. Ah, il y a encore la ligne. Ah, c'est vrai, on peut pas désactiver la ligne automatique sur des niveaux chaînes. Ouais. Attends, regarde là-dedans s'il n'y a pas en téléchargement comme ça. Envoyer, voir plus tard, et playlist. Merde, c'est con. Je la refilerai la machine. Regarde la qualité des formats. Ouais, 320p et 240p. Hein. Oui. C'est du brut. Ça vaut pas la peine de convertir. Parce que si tu mets en 720p, tu vois, ça va, à part grossir les pixels, ça va rien faire d'autre. Je sais pas si les jeunes de maintenant, les kikous, ils savent que 240p, c'est vraiment le truc le plus merdique au monde. Et c'était léger, les vidéos. Ah Ils étaient oui. extrêmement légers. Hein. Avec un PC avec quoi, peut-être 512 mémo de disque dur. C'est sûr que, ouais. Ah oui, c'était avant que je quitte. Ok, là. Depuis le 21 septembre 2014 sur YouTube. Oui, sauf que la chaîne YouTube est plus, la CTV bouclée est plus vieille. La bonne époque. Quand on faisait des pucelages, des CD-ROM. Oh, attends, c'était trop bien ça. Ah ouais. Il a 14 ans, le gamin, là, machin, là. Qu'est-ce qu'on faisait il y a 14 ans? Qu'est-ce qu'on faisait il y a 14 ans? Je sais pas. 14 et 14, 14 et 4. Ah oui, d'accord, la vidéo. 18. Regarde. Il y a 10 ans. Ah ouais. Ah oui. C'est avant que les commence à poster des vidéos des vidéos de chaîne, que les personnes en Europe ne pouvaient pas poster de YouTube à l'époque. On Ouais. pouvait que regarder des vidéos, on ne pouvait pas poster. Ouais. Attends, c'est quoi déjà comment on en faisait? 14 ans. Ah, les vieilles, c'est plus bien. 2004, 14 ans. Ben, il y a 15 ans en Ça arrière. Il y a 14 ans en arrière. Il y a 15 ans en arrière, nous. Il y a 14 ans, c'était en Ah, les 2006. vieilles, c'est plus là. Ouais. Il n'y avait pas du tout de l'LD à l'époque. Ah, ça date de vieux, c'est vrai.
depuis 10 ans. Et la vidéo, ça fait 10 ans qu'elle est postée. Attends. C'est octobre 2009. Oh là là, 7 octobre 2019. Ah, c'est impressionnant quand même. Oh non, c'est que ça, ATV, en profil. Si tu fais ça, tu profiles. Là, ça se casse la gueule ici. Et que cette personne ne compte pas partie. Moi, j'aurais pas pu aller sur Dailymotion. Si tu veux pas poster des vidéos sur YouTube, tu l'aurais posté, ailleurs. Ou tu ne te donneras pas de place du tout. Dire que ma chaîne a 3 ans, là, aujourd'hui. Ok. Allez. Ouais, ma chaîne a 3 ans et mes premières vidéos datent de 2012. Donc, Ça m'étonne même pas qu'il y a ça comme pub. Mais c'est pourquoi ? Récemment, des démolitions a été racheté par le groupe Canal pour que ça reste français. Ah ! Ah, mais c'est autant toujours la merde, et puis c'est un flop leur truc. Dailymotion, c'est de la flop, hein. Dailymotion, à ton avis, pour... normalement, YouTube, on ne pouvait pas poster des vidéos en Europe. Ouais. Ils devaient rester comme ça. Sauf qu'en fait, YouTube voulait couper l'herbe sur les pieds à Dailymotion en nous autorisant à poster des vidéos. Ouais. Donc sinon. C'est YouTube aura jamais donné l'autorisation pour poster des vidéos en Europe. C'était Dailymotion qui aura cassé la gueule à eux. Ah, c'est dingue quand même leur histoire. C'est gorgé. Comme je dis, YouTube a manqué des créations de communication de Google aussi qui avait manqué. Le Canal veut pas qu'on regarde leurs vidéos sur Dailymotion et veut que je regarde leur programme sur le Canal 4. Ouais. En sortant. La petite carte, en sortant la petite CB. Ouais. Le jour que Dailymotion sera payant. YouTube sera payant avant. Hein? Eh, il y a ça. Les options payantes sur YouTube. Ouais. Tiens, tu veux plus avoir de pub sur YouTube? Il faut payer. Il faut payer 9,99 euros. 9,99 par mois. Pour uniquement supprimer la pub sur YouTube. Pour ça, moi, le pont vie. Ça fait cher pour supprimer de la pub. Ah, on arrive bientôt à la fin. Alors les amis, ça fait plaisir. Attends, comment supprimer de la pub pour Dailymotion? Alors attends, le Inda l'Amandine, c'est mon lampadaire résidentiel préféré. Ah, ben c'est super, tu vois, tu l'auras directement sur 200 grammes, c'est la qualité de vidéo que mon pote hein, veut voir sur YouTube avec sa connexion. De... ça veut dire que si ta collection est merdique, t'as que le droit à ce format-là, c'est vrai. 200 MP, c'est la qualité de vidéo que mon pote peut voir sur YouTube avec sa connexion internet nulle. Ah ben si on a la connexion de Mamadou, c'est sûr. Hein. c'est... Voilà. Ah c'est vrai qu'il y a des endroits. En fait, c'est ça qui est chiant, c'est qu'en fait, il y a des endroits qui sont vraiment merdiques dans la France. Quand t'as la fibre dans un coin, quand tu as pas la fibre, tu te fais chier. Hey, tu sais, il y a une chose qui est horrible, tu sais c'est quoi? Non. Pourquoi tu commences à poster des vidéos sur des vidéos? Parce qu'en fait, tu postes mes vidéos à partir de la médiathèque de Arras, je sais pas si c'était au foyer Arras. Sauf qu'en fait, la médiathèque bloquait YouTube, mais bloquait pas des vidéos aussi. Ouais. Donc en fait, c'est que YouTube, à l'époque, autorisait des trucs qui n'étaient pas très cathodiques. Avant qu'il rachète YouPorn. Hein? Oui, t'avais une rubrique sur YouTube. Ouais. Sauf que Didi, ils ont compris qu'il fallait la supprimer via YouTube, il la mettait ailleurs, cette rubrique. Ah, c'est pour ça qu'en fait, YouTube et YouPorn, c'est quasiment le même nom, sauf que ça n'a rien à voir. C'est le même proprio en même temps. C'est le même propriétaire, YouPorn et YouTube. Oui.
Quand tu vois l'interface, qui a effectivement la même gueule. Je sais pas, j'ai jamais été sur YouPorn, je peux pas savoir. En fait, il y a une interface très familière. S'ils ont gardé le même graphique pour les deux, c'est normal. Ça coûte moins cher de garder les mêmes codages. Mais, quoique, quand tu regardes maintenant, tu te rends savoir pourquoi que Canal rachète DVOZ. Pourquoi? Quand je regarde certains replays qui, sur Internet pour C8 ou C Star. Ben, moi, c'est 720p avec une box qui a 6 ans. Ah oui, quand même, là, il faut penser à la rechanger, la box, hein, parce que ça s'use facilement, c'est une box. Hein. Oui, mais si c'est pas l'opérateur qui te le propose, il te le facture, ça, cet opérateur. Oh. Oui. T'as arrêté de faire le changement. Il faut savoir, en fait, le truc, en fait, pour les systèmes de replay, ils ont abandonné leur propre système de replay. Ils ont pris le lecteur média à partir de DVD7 pour les adapter à leur site. Ah. Et tout à coup, leur replay bug bois. On a eu bientôt la fin. Et que je ne veux pas dire, mais on avait pire que des. On avait pire comme les systèmes de vidéo à regarder sur Internet. C'était quoi ? What TV. Je ne connais pas. En fait, le service n'existe plus. C'était des hébergeurs de vidéos comme YouTube ou DVD appartenant au groupe TF1. Ouais. Sauf que avant de voir la vidéo, sur n'importe quelle vidéo, tu avais le droit minimum à 4 pubs avant que la vidéo commence. Ouais. Et quand tu étais chez Adblock, tu avais un message d'erreur que tu pouvais pas regarder la vidéo. What the fuck? On se pense que YouTube va faire ça bientôt. Que tu peux pas utiliser Adblock sur leur site, à mon avis. Bah franchement, des blogs ça sert à rien sur YouTube parce qu'il n'y a pas vraiment. C'est que il va plus. Il sera plus utilisé après YouTube. Parce que si tu dis Adblock, ça veut dire que leur système de interruption de pub payant va pas servir à grand chose. Donc. Quoique, c'est bien peur que leur système payant de pub. Pour le moment, ça ne sert pas à grand chose, mais plus tard, ça va être indispensable. Donc, des fois, ils commencent à te balancer 2-3 pubs devant certaines vidéos de certaines personnes. Ouais, puis le pire, c'est qu'il y en a certains, ils ont des vidéos et ça, ils ont moins 6 pubs. Leur vidéo dure 45 minutes, t'as le droit à 6 pubs. Et le pire, c'est quand tu vois qu'en fait, les 6 pubs, tu peux plus les sauter. Tu es obligé de les battre. Moi, seulement, je vais souvent sur France Lampe, bah, je peux dire que j'ai toujours les pubs de France Lampe. T'as vu le dernier coup? Oh, c'est quoi? C'est la preuve que c'est de la pub ciblée en plus. Hein? C'est de la pub ciblée. Ouais. Tu es traqué. En fait, tu pouvais plus te traquer, il faut faire une clope de temps en temps. C'est de. Virer son historique. Pas forcément l'historique. Les cookies suffisent. J'en mange un cookie, puis c'est tout. Non, les cookies de. Caramel noix de pécan. Pas les cookies que tu bouffes, les cookies du navigateur. Ah, ouais, je sais. Donc, si tu supprimes ton disque historique, mais tu vires pas les cookies, tu auras toujours une belle pub comme ça. Ouais, c'est ça le problème. C'est le problème, c'est qu'en fait, ils te spamment, en fait. C'est si tu si acceptes pas les cookies, ils te font chier jusqu'au bout. Oui, mais de temps en temps, virer tous les cookies. Sa page a 1000 choses bloquées. Ouais. Et sur cette page, attends. Oui, on attend la fibre hein, qui est dans le quartier, mais il faut qu'ils finissent le câbler. Mon ADBlock est sur cette page à 1000 choses bloquées. Ouais, attends. En fait, à la fin, c'est plus, on va dire, c'est plus digeste en fait le truc en fait. Hey, regarde, je suis doué. Voilà. Le gars qui se casse pas la tête, il mélange même pas le truc. Attends, s'il te plaît. En fait, il y en a un, le Mika, il m'a complètement niqué un cube comme ça. Oui, hein oui, tu mélanges trop, ça va, mais regarde. Si tu fais un tour complet ici, et un tour complet ici.
Ah, non, pas cool. Comme ça. Non, pas comme ça, non, sinon. Et voilà, c'est réussi. Nickel. Ah, si je peux te dire, t'as l'autre, je l'ai engueulé. Hein. Ouah, non. Ouah, regarde, c'est pas le même. Ah, si, c'est le même. Ah, c'est pas la même chose. Ah, si, c'est le même. C'est quand même tout. Ça, c'est un truc à pranker, ça, en fait. Oui. Prendre que là qui est mélangé, regardez, c'est mélangé, mais en fait, l'autre, il n'est pas mélangé. Ou d'avoir les deux, puis de faire le truc comme ça. Oui, de faire ça, puis tu mets celui-là, là, tu sors l'autre. Ça, c'est trop rigolo. Voilà. Ouais, mais ça, sont des blocs et compagnie, ça, c'est toujours aussi chiant. Ah oui. Regarde, voilà, tu vois. Ah ouais, c'est chiant, t'as vu. En fait, maintenant, il faut se casser la tête à leur faire. J'ai passé 4 heures là-dessus et j'arrive pas. Je sais pas si vous, vous avez déjà ragé devant Rumi's Cube. Oh, plusieurs fois. Est-ce que vous, vous avez ragé sur Rumi's Cube ou toi, c'était tout seul actuellement, ça... Parce que franchement, alors, moi, la première chose que j'ai fait déjà, c'était de le balancer contre le mur. Ouais, il est éclaté. Ouais, il a fait éclater. Merde. Ah, mais tu peux chercher, hein, je le lis. Hein. Oh, on arrive bientôt à la fin, 167 pages. Il ne m'en restait plus que 2-3 pages, ouais. Copier. Voilà. Coller. Voilà. Fermer. Ah, mais franchement, c'est une tuerie, quoi. Voilà. J'ai versé l'article de version 4, j'ai versé les versions 4 sur 4, j'ai versé les versions 9 sur 9, sont encore pires. Ah, il y en a, c'est 16 par 16. Ah, les seuls que je apprécie, c'est les 1 sur 1. Ah ouais, je kiffe. C'est simple et tout. Je te fais ça en 5 secondes. Ah mais... Nuancier. Nuancier de l'époque. La petite papage qui va des familles. Voilà. Tac. Tac. Copier. Coller. Voilà. Fin. Mais. Et la dernière page, enfin, on a parvenu à finir le truc. Ah, putain. Je suis hyper content d'avoir fini ce catalogue-là. Voilà. Copier. Coller. Fermer. Oui. Voilà, nickel, ça fait zizi. Donc, je vais vous montrer. Voilà, voilà. Le truc fini. Alors, j'ai pas mon petit... truc des familles. C'est dans quoi qu'il faut que j'aille, par contre. Non, c'est pas là-dedans. Faut que j'aille. Non. Page kata. Page kata, page kata, 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 kata. La musique, iTunes. Image kata, voilà. Voilà. Donc, il y a celle-là aussi. Donc, là, par contre. Là, contrôle 1. Voilà. Donc, là, renommé. Donc, là, ça, c'est 3E. 3E international. Attends, je vais pas le mettre comme ça. Ça va faire trop gros. International, voilà, ok, voilà, nickel, donc ça c'est bon, impeccable, et je vais mettre le petit des familles, il est là, voilà, et je vais mettre, voilà, donc la belle petite page des familles que j'ai refaite avec amour, voilà, donc là c'est 3E. International, là
Et je vais mettre le petit zéro des familles. Voilà, nickel. Donc, comme on peut voir, le catalogue est enfin terminé. Adrien, c'est moi. Sûrement, je ne sais plus. Village, c'est moi. Ah ben, je te remercie, t'es un amour. Alors, du coup, voilà, on a fini enfin le truc. C'est bien, t'as suivi tout le catalogue. T'as vu, hein, ça m'a pris quasiment 2 heures à faire le truc. 100 quelques pages. Hein. Imagine quand j'ai 800 pages, 820 pages. Imagine le temps calculé. Hein, tu multiplies ça par 8, fait une quinzaine, vingtaine d'heures à peu près. Donc, du coup, 8, 16, ouais, une vingtaine d'heures. Alors, du coup, ça c'est fait. Donc, là, pof. Ouais. Donc, là, maintenant, on va aller sur le. Ah, oui, je vous ai pas montré aussi. Il y a le Fifi. Le Fifi 1930. Voilà, allez, celui-là, comme il est beau. Allez. Je l'ai rescanné intégralement. Il était dégueulasse. Donc, celui-là, il va être disponible sur mon site. Hein, pareil. Là, donc, là, paf. Faut que je les mette sur mon serveur, par contre. Alors, on va faire ces petits trucs-là. Donc, ça, c'est fait. Ah ah ! Par contre, là, j'ai fait la connerie. C'est pas grave. Alors, du coup, Adobe, la grosse daube. Adobe Acrobat. Voilà. Voilà. Oh, ils ont encore modifié encore leur interface encore. Combiner des fichiers. Déjà, on va déjà faire le petit fichier de Fifi 30. Il n'y en a pas des masses. Hop, contrôle A. Hop là. Ouais, je sais. Là, ok, combiner. Là. Donc là, ça va être rapide, c'est un petit machin. Combiner. Voilà. Le petit Philips 1930. Regardez, il est magnifique, hein, de qualité. Oui, je fais des beaux catalogues de qualité, en fait. Hein. Là, c'est de toute beauté. Alors, off, fermé. Voulez-vous enregistrer? Oui. Donc là, par contre, je vais le mettre sur le bureau. Là, je le mets dans le bureau. Tac. On va enregistrer. Donc là. Philips 1930. Voilà. Enregistrer. Voilà. Outils. Combiner des fichiers. Là. 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 Toc. What? Ah non, c'est pas celui-là. J'ai failli faire un arrêt cardiaque. 3 vidéos. 3. Allez, voilà. On paf. Contrôle A. Voilà. Boum. 172 pages. Tac. Paf. Là. Combiné. Ça va prendre un petit temps de fou. Là. Il y en a. Hein. Vous imaginez quand il y a 800 pages, ça fera un petit temps fou. Hein. On a le temps. Hein. Parce que là, bon, il y a déjà 100 pages de fait là. Bon, ça va, c'est rapide. Hein. C'est pas violent. Hein. On est déjà à 133. Moi, j'arrive à 140. Voilà, 140. Là, 150. 360. 170. Voilà. Le catalogue est officiellement fini.
Voilà, nickel. Donc ça c'est fait. Donc là, paf. Tac, enregistré. 3E. International 1938. Voilà. On va pouvoir. Je vais pouvoir montrer le luminaire. Voilà. Donc, du coup, ça, c'est fait. Voilà. Alors, du coup, je vais vous montrer le petit luminaire. Là, avec le partage d'écran. Voilà, nickel. Je vérifie la caméra. Nickel. Wow! Comme je vous dis, c'est hyper, hyper, hyper chiant à faire des catalogues. Ça m'a pris 2 heures. J'ai la main qui est complètement déglinguée. Donc, du coup, là, donc là, on a vu le catalogue 1930 de chez Philips. On a fait intégralement le Philips. Le 3 international. Ça, c'est fait. Donc là, on n'en parle plus. Donc, du coup, je vais vous parler un petit peu des projets. Donc là, du coup, j'ai récupéré des tubes. Hein, comme j'ai dit au début de la vidéo du direct, justement, j'ai récupéré des tubes fluo. Comme tu m'as dit justement en question que les tubes fluo vont dégager. Donc, je le répète une dernière fois. Oui, les tubes fluo, les barres SOX, non pas les barres SOX, les lampes SOX, les tubes fluo et les lampes électroniques genre fluo compact n'existent plus à partir de 2019. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui est actuellement sont les dernières stocks qu'il y a. Donc, c'est-à-dire que dès que les stocks sont épuisés, ça n'existe plus. C'est pour ça que j'ai acheté beaucoup de tubes, un rouge, on va dire toutes les couleurs, toutes les machins, que du 36 watts, bien sûr. Donc, c'est-à-dire que j'ai acheté lumière noire, germicide, rouge, vert, bleu, jaune, plusieurs teintes différentes. Donc, ça m'a coûté un rein. Donc, du coup, il y a ça. Moi, ça me fait vraiment plaisir parce que voilà, comme ça, ça me permet de faire une vidéo prochaine là-dessus. Beaucoup de vidéos prochaines qui vont sortir. Là, cet été, de toute façon, je ne fais rien. Là, au mois de juin, là, il y a 2-3 vidéos là, sur les tubes fluo donc, que j'ai récupérées. Je ferai une vidéo là-dessus par rapport à ça. Sur les lampes que j'ai commandées, parce que j'ai commandé pas mal de lampes. Vous verrez, je vous spoil pas les choses de lampes. Point de vue, Minecraft, c'est pareil. Mon mode est quasiment terminé. On est en train de faire encore quelques points. HPLN, en haut à droite, sur ton étagère. Si tu les as achetés sur Amazon, ce sont sûrement les fausses. Les HPLN. Ah, là-haut. Ah non, 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 non. C'est, on va dire, des versions non officielles, on va dire. C'est pas des fausses, c'est vraiment fabriqué par Philips, sauf que je me suis fait avoir sur Amazon. En fait, c'est des versions Philips, hein. Ça se voit, je connais la conception de Philips. Sauf que c'est pas Philips néerlandais, mais plutôt Philips Chine qui les conçoit plus. En fait, il y a une usine en Chine qui fabrique toujours des BF. En fait, les BF existent toujours. Il faut penser. Osram fabrique toujours des lampes BF. Pas pour l'Europe, c'est sûr. Tout ce qui est Chine, c'est pour ça qu'actuellement, les dernières lampes, c'est Made in PRC. Ouais, je sais, c'est chaud. Et en fait, le truc, c'est que Amazon vend des lampes, des BF, des vrais BF. C'est pas des conneries, c'est des vrais BF. Sauf qu'ils ne sont pas utilisés pour l'Europe. Mais par contre, moi, je ne sais pas si je peux te montrer ici. Je vais te montrer sur la Osram. Voilà. Attends une minute. Alors, la Osram. Là, et je vais mettre voilà, celle-là. Donc là, je pense que celle-là. Voilà. Voilà. Donc, du coup, ça, c'est mes BF. Voilà. Donc... voilà, ça, c'est la version officielle qui a sorti les dernières. Donc ça, c'est la dernière qui a existé, réellement existé dans l'Europe. C'est-à-dire que dedans, il suffit de voir,
T'as tout ce qui est allemand, Autriche, machin, tout ça. T'as allemand, tchèque, France, belge, anglais, italien, espagnol. Bon, bref, toute l'Europe, quoi, tu vois. Toute l'Europe est dans ce nom-là. Donc ça, c'est la version officielle. Sauf... Merde, c'est pas celle-là. Elle est où, la BF que j'ai acheté neuve? Attends, elle est où? Merde. Bon, elle est là. Non. Donc, du coup, ça... C'est la version, parce qu'en même temps, voilà. Ça, c'est la version HQL qui est plus récente. C'est-à-dire que là, en fait, dans celui-là, c'est fabriqué en Chine, comme toutes les autres lampes BF. Hein, sauf que c'est des vrais BF de chez Osram, comme Philips également. Sauf que ces lampes-là sont destinées à l'usage hors européenne. C'est-à-dire qu'en fait, c'est là, actuellement, sur la boîte de lampes, il n'y a que russe, polonais. Bon, vraiment, toutes les lampes, tout ce qui est légal, la mienne m'avait l'air d'être très mauvaise qualité. Oui, parce que voilà, bon, ils se font pas chier, hein, c'est pas pour l'Europe. Donc, du coup, là, et Osram ne vont pas voir la qualité de leurs lampes, hein, maintenant, c'est fini. Donc, du coup, là, donc ça, c'est une traditionnelle BF, hein, sauf que là, par contre, elle a une particularité, c'est pas sous l'égide d'Osram.com, mais l'Advance. Et l'Advance, justement, c'est récent, ça a peut-être 2-3 ans. Donc, c'est-à-dire que la BF est sortie après l'arrêt de production des BF en Europe. Donc, c'est-à-dire que ça, c'est une BF à peu près illégale. Mais c'est une vraie BF. Voilà. C'est vraiment une lampe destinée pour la Russie. Donc, c'est destiné pour la Russie. Donc, voilà. Mais on a encore une plus récente, encore le plus fourbe. C'est que celle-là, elle doit dater facilement de 2017 à peu près. 2017-2018, donc c'est pareil. Là, actuellement, c'est une boîte qui est complètement différente. C'est pareil, Made in China, hein, tu vois, là, par exemple, il y a tout ce qui est réseau, pas Europe de l'Est, mais plutôt russe, voilà, dans la Biélorussie, l'URSS, quoi, tu vois. Et t'as quand même le CE. Et par contre, c'est ça le pire, c'est qu'il y a aussi le CE. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des lampes, on va dire, illégales. Voilà. Mais ça veut dire qu'il y a encore des BF de conçus, de fabriqués. Bon, pas pour l'Europe, c'est con, mais voilà. Donc, voilà, c'est vraiment une BF au SRAM, hein, comme toute BF. Ça paraît en dirant General Electric. Par contre, j'ai ma caméra qui est toute floue. Hein, je vais peut-être régler un peu ma caméra. Ah, nickel. Donc, comme je disais, c'est une BF, voilà. Un peu plus, on dirait une General Electric, parce que la qualité des BF ont changé depuis tant d'années. Hein. Mais c'est vraiment de la Osram. C'est vraiment tamponné Osram comme traditionnel. Le tube à décharge, c'est le vrai de vrai. Le culot, c'est pareil. Bon, le culot, non, il est peut-être différent. Et ça, c'est les BF illégales. Voilà. Mais on peut en trouver. En fait, si vous voulez, on peut en acheter encore. Ils ne sont plus produits en Europe. C'est ça le pire. C'est qu'on peut en avoir. En fait, c'est illégal parce que, bon, c'est des neufs et tout ça. Mais il faut savoir un truc, c'est qu'en fait, c'est ne plus fabriquer en Europe. C'est-à-dire que la production en Europe a resté arrêtée. Mais tu peux toujours avoir des BF à l'étranger. Ce n'est pas précisé sur le contrat de la production. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux t'acheter de la BF. Après, toute société ou toute commune qui a encore beaucoup de BF dans leur commune, ils ne vont pas s'amuser à payer des centaines de milliers d'euros pour changer justement les lanternes. Ils achètent ça sur Amazon, sur Lampe Direct, des trucs comme ça, des BF voilà, illégales comme ça. Mais justement, ça permet d'avoir des BF encore sur une longue période, parce qu'en Russie, les BF, il y en a encore pas mal, hein, il ne faut pas croire. Et actuellement, donc les BF en question... Ça fait plaisir d'en voir parce qu'il y en aura toujours pour l'instant encore. La production nationale ou même mondiale n'existera plus dans quelques années. Mais ça, c'est des BF qui sont vraiment récentes. On peut trouver encore pas mal de supercherie, de surprises comme ça, encore en 2019. C'est-à-dire qu'on peut avoir de la BF neuve sortie d'usine en 2019. Voilà. Donc, ça fait plaisir. Donc, du coup, là, c'est... Voilà. On a trois versions différentes et je peux remonter dans les années 2000 comme ça. Bon, après, j'ai une plus vieille lampe, mais ça, je vous garde ça au chaud pour la prochaine vidéo. Non, voilà un petit peu le truc. Hop là. Hop là. Ouais. Là. Bon. Alors, du coup, voilà, ça, c'est un petit peu le truc des BF. Hein. Voilà, donc... C'est un petit peu le truc à penser. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Oh là, le temps dégueulasse qu'il fait dehors. Donc, il y a ça. Donc, le fameux... Donc, quand je vous ai expliqué, puis après, tu as parlé sur la BF. Oui, mais elles doivent durer moins longtemps.
Je pense pas, parce que si c'est la même technologie qui est utilisée, je pense que c'est toujours la même qualité en fait. Alors du coup, comme je vous disais, après, tout bonnement, les BF, bon, ça c'est sûr. Après, comme je disais, par rapport à Minecraft, là, actuellement, le mode est quasiment fini. Là, je vais finir encore un peu de coder, encore le code tout à l'heure. Je vais coder encore le machin. Donc, le mode s'appellera EGP mode. Donc là, j'ai enfin décidé pour mettre les textures et les items dans deux endroits différents. Parce que tous les items de déco que j'ai à faire, Écrit de lit. deux listes, voilà, deux, tu sais, deux affichettes. Voilà, donc en fait, là, c'est toujours en train de faire les commandes et tout ça. Il y a pas mal de choses. Il y a pas mal de craft, il y a pas mal de choses comme ça. Bon, je vous spoil un peu deux, trois bricoles. C'est qu'en fait, il faudra miner. La première chose, il faudra miner dans Minecraft En plus normal, pour, ça coûte voilà, vite. voilà, pour récupérer justement des minerais en question qu'il faudra, on va dire, travailler, c'est-à-dire pour faire de la poudre, après faire des lingots ou faire des nuggets. Il y a ça, après il faudra créer des lampes, puis il faudra. Il y a, là actuellement, il n'y a qu'une lanterne de sortie, je vous dirai ça plus tard, la Cosmolux, hein, je vous spoil aussi. Spoiler! Ah là, plus spoiler! Voilà, donc il y a ça, donc après voilà, il y a pas mal de choses qui vont arriver. Bon, après je dis plus rien parce qu'il y en a trop déjà dit. Et après, tu cherches quoi? Voilà. Spoiler! Ah, Spoiler! la lampe rouge est allumée. Spoiler! La lampe rouge est allumée, ça y est. Partie B. Ah, je vais la laisser, c'est bien. Donc du coup, là, ce qu'il fait, c'est que bon, il y a ça, c'est ça. Après, il y a d'autres catalogues qui vont arriver par le biais de Fozagora, donc pas mal de choses. Donc ça, je vous dirai pas tout de suite parce que voilà, ça sert à rien. J'ai pas encore la preuve. Il y a aussi une nouvelle lanterne qu'on va aussi mettre en inventaire après là, quand on a fini un petit peu parce que je fais une petite pause, j'ai mal aux mains là. Je vais vous chercher la lanterne. Mon Brizou qui va faire des conneries derrière mon dos. Pas de signal. Voilà. Donc une petite Saunier Duval Orion fermée. Voilà. Donc moi ça fait plaisir. Voilà. Donc une petite Saunier Duval Orion fermée. Donc franchement elle est de qualité. Hein. Donc là ça c'est on va dire un rêve ce modèle-là. Parce que je pensais pas non plus avoir le temps nécessaire pour faire ça. Donc là je vois par contre que le... Ah ok. Donc ça, faut que je mette de côté parce qu'en fait, le... Je refasse un... Ouais. Je refasse un petit arrodage parce que le truc, il est pas... Ah si. Ah si, il est foutu. Donc, du coup, une petite Sony du Valorion fermée. Ça fait vraiment plaisir. Donc, du coup... Non, il n'y a pas de message. Voilà, donc ça, c'est une petite Sony du Valorion. Vraiment de qualité, vous voyez, on peut le voir. C'est un réflecteur, le truc de malade. Donc, je remercie Seb aussi pour moi, Seb de l'Oise, pour m'avoir refilé ce modèle-là. C'est un modèle de mes rêves. Donc, du coup, voilà, il y a Et on a ça. aussi ce nouveau modèle. Ah, ça, par contre, ça, il faut. Bon, je ne suis pas spoilé par la marque. Mais du Coca-Cola Tépèche. Non, pêche, pas tes pêches. On peut sortir devant, on va goûter. Oui. Et en même temps, là, je fais une petite pause, hein, parce que. Vous savez, de passer 2 heures sur le PC à travailler, il faut se faire plaisir de temps en temps. Mais après, voilà, il y a ça, il y a d'autres catalogues qui vont être scannés. Il y a un catalogue, j'en ai parlé tout à l'heure, qui va être scanné si vous n'avez pas trop entendu. C'est par rapport là à celui-là. Celui-là sera scanné intégralement. Voilà, donc je spoil un peu le truc. Bon, là, c'est pas 160 pages. Hein. C'est 400 millions. Là, actuellement, celui-là, il fait 640 pages. Voilà. 640... T'imagines que là, rien que de faire ce que j'ai fait tout à l'heure, 160 pages, ça a duré 2 heures. Imagine 640 pages. On tient Voilà. Bon, là, je fais pas un direct live, je ferai vraiment une vidéo bien spécifique avec un slow motion. Un slow motion. Vraiment une vidéo accélérée de ça parce que je vais enregistrer vraiment tout le travail que je vais faire et je vais faire un.
compilation parce que. Non, tu ne fais pas enflammer la chaîne. Enflammer la chaîne, c'est que tu le fais en ralenti. Et là, la vidéo dure 4 jours. Une semaine et demie. Ouais, déjà, t'imagines, 100 pages, genre, en normal, en temps normal, ça fait 2 heures. Donc, ouais, tu fais 100 pages, 2 heures, 8 heures. Ah non, 6 heures. 6 heures, ouais. Au moins 8 heures de travail là-dessus. 8 heures de travail, donc tu vois, là, c'est. Ça demande beaucoup de temps, en fait. Le flammable set, ça tire, ça ralentit la vidéo en 10 fois. Ouais, t'imagines, toi, c'est-à-dire qu'en fait, tu fais pas 80 heures. Ah, c'est le truc de dingue. Non, là, donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que voilà, donc, il y aura vraiment, on va dire, un 600 pages. Ah, Julien Clavel qui fait coucou. Voilà, donc ça, c'est 600 pages. Il faut penser que le maximum que j'ai pu faire sur le même catalogue, c'est 820 pages sur le 92. Ouais. Ah, t'as pas voulu les faire propres. J'ai vu dans l'armoire. C'est sûr? Ouais. Ils étaient comme ça, mon envers. Comme ça? Ah, ils sont pas propres. Je sais pas si qu'ils les avaient. Il y a quelqu'un qui a pranké, à mon avis. Eh ben. Il y a quelqu'un qui a pranké, à mon avis. Parce que normalement, ils sont à l'envers. Donc, Ok, mais il y a des pièges dans l'armoire. Donc, du coup, là, donc, ça, c'est un petit projet tout sympatoche. Il y a, voilà, donc, tu sais, 600 pages, pour moi, c'est rien, hein, franchement. De toute façon, ce que je vais faire, c'est que ça, c'est en hors caméra. Donc, du coup, ça, vous n'en aurez pas l'utilité de voir tout ça. Il y aura simplement un accéléré. Donc, du coup, on va dire les 8 heures, ça sera plutôt converti en 2-3 minutes. Hein, faut pas croire. Hein. Donc, là, il y a ça. Franchement, il y a tellement de choses à faire réellement. C'est que là, actuellement. Encore ? Et puis bien sûr. C'est quoi cette affaire ? Les rap. Les rappeurs ? Ça, je pense savoir c'est qui a fait. C'est le. Ils sont tous rappeurs en fait. Je prends celui-là, Ça, je sais c'est qui les a rangés. Donc, du coup, comme je disais, donc il y a pas mal de choses. Donc après, voilà, bon, ça c'est ça le catalogue, tu sais, pour l'instant. Donc, les prochaines vidéos qui sortiront après, parce que là, bon, au mois de juin, il y a peut-être quelques vidéos. C'est pour ça que là, jeudi, il n'y a pas eu de vidéo. Parce que si je fais un direct de plusieurs heures, voilà. Il y a donc justement le direct de la vidéo du jeudi n'est pas sortie. Là, normalement, si tout se passe bien, la vidéo qui sortira la semaine prochaine, j'en aurai pas non plus. Et là, après, on attaque au mois de juin. Et au mois de juin, donc le 31, il n'y aura pas non plus de direct. Ça ne sert à rien de chercher. Hein, on ne va pas s'amuser encore à se taper une heure, on n'aura rien à faire. Donc, du coup, voilà, donc, on va dire la semaine prochaine, les dernières semaines de mai, il n'y aura rien. Donc, ça me permettra de me ressourcer et puis d'avoir plus de temps pour coder mon mode. Et après, donc, juillet, août, je le dis comme ça permettra d'être tranquille, d'avoir plus de choses. Il y aura, parce qu'à la base, je vais faire une vidéo là-dessus. Sur les projets, tout ça. Donc, du coup, je ne l'ai pas fait. Donc, j'en parle là. Par rapport à ça, c'est-à-dire qu'en fait, il y aura des vidéos thématiques sur l'été. Donc, c'est-à-dire tout le mois de juillet, il y aura une vidéo en temps normal, c'est-à-dire le mardi, le jeudi et le samedi. Par rapport à spécial vacances, c'est-à-dire que là, ce sera des vidéos de qualité. Il y aura vraiment, on va dire, des vidéos inédites. Ce ne sera que des vidéos inédites, on va dire. Des vidéos qui n'ont jamais sorti. Par exemple, une vidéo. Non, je ne vous dis rien, vous verrez par vous-même. Donc, il y a ça. Et puis, septembre. À partir de septembre, donc, le serveur 1.8.9 n'existera plus. Donc, là, c'est version Minecraft. L'1.8.9 n'existera plus. Donc, là, il faut que je fasse la vidéo cette semaine. L'1.8.9 n'existera plus. Ce sera 1.10.2. Première chose. Donc, c'est-à-dire qu'en septembre, on va relancer Minecraft modé sur une autre version. Après, nous avons un nouveau format qui va arriver parce que là, le dernier format, c'est arrivé par rapport à la lampe à induction. Donc là, vous allez surkiffer la lampe à induction parce que je me suis mis vraiment à fond sur cette lampe-là et surtout une personne très connue justement qui a beaucoup d'abonnés qui s'est incrustée dans ma vidéo justement pour parler un petit peu de l'induction. Donc, vous saurez tout ça. Et puis, en septembre, il y aura donc un nouveau format. Ça sera, je ne sais pas encore quoi le nom,
mais ça sera plutôt rayonnement spéciaux. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on va étudier un peu le projet des rayonnements. Alors, il y aura une vidéo sur l'éteinte. On va faire aussi donc rayonnement, parce que l'éteinte, c'est aussi le rayonnement, la lumière. Donc, on va dire la lumière visible. Non, parce qu'on ne va pas faire que ça. Donc, en fait, il y aura des rayonnements spéciaux. C'est-à-dire qu'on va déjà faire une teinte, donc la vidéo d'éteinte en septembre. Et à partir d'octobre, il y aura des vidéos sur les rayonnements spéciaux. C'est-à-dire qu'on va découvrir sur la germicide. C'est quoi le germicide et tout ça, les UVC et tout ça. La lumière noire, les propriétés de la lumière noire. Il y aura aussi... Ouais, c'est iodure métallique, voilà. Voilà, c'est tout à fait ça. Donc là, donc, il y aura justement l'induction m'a confondu. Donc la lumière noire, les propriétés de la lumière noire. Tout ce qui est infrarouge. Donc les infrarouges, les ultraviolets, donc j'en parlerai au lieu de l'oxygène germicide dans un autre truc. Donc par exemple, pour l'horticole, par exemple, que les infrarouges sont plus pour la pousse et l'ultraviolet sont plus pour la floraison. Ça, j'en parlerai aussi par rapport à ça. Ça peut être pas mal parce que dans l'horticole, on a besoin aussi de l'éclairage. C'est pour ça que certains endroits, genre un stade de foot, on a des lampes au sodium pour justement faire chauffer le gazon ou des lampes infrarouges. Ça existe. Hein. Donc, il y a ça, voilà, il y a ça. Par contre, il y a un truc qui va sortir au mois de juin. Je ne vous spoile pas, le 27 juin, donc la dernière vidéo du mois de la série. Ça ne sera pas la découverte d'une lampe, mais ce sera une vidéo spéciale. Hein, donc, je ne vous dis rien non plus. Elle va être vraiment surkiffante, ça va être pas mal. Il y a quoi aussi? Il y a donc après... Ah, dans les rayonnements spéciaux, il y aura aussi un rayonnement spécial qu'on ne peut pas trouver partout dans les quatre coins des rues, ni à Leclerc, ni à Carrefour, ni à Rexel. C'est les rayonnements à rayon X. C'est-à-dire qu'on va découvrir le rayonnement X. Voilà. Un peu comme X-Ray sur Minecraft. Mais là, ce sera vraiment des lampes à rayon X. Ça va être une fourberie de dingue. Je vais récupérer des lampes à rayon X. C'est officiel, j'en ai déjà pour moi. Donc voilà, ce qui fait, c'est que là, actuellement, ils ne sont pas là, ils sont dans le sud. Et ce qui veut dire, c'est qu'en fait, je vais pouvoir avoir des lampes très, très rares à trouver. Donc, du coup, ça va me coûter pas grand-chose. On va me les donner, on va me les offrir. Et donc, du coup, ce qui fait, c'est que voilà, c'est des lampes spécifiques. C'est-à-dire que les lampes, déjà, neuves, coûtent 15 000 euros. Hein, j'en reparlerai plus en détail en fin d'année. Hein. Là, 15 000 euros. Il y a aussi la puissance. Je ne sais plus, elle fait combien de puissance la lampe. Mais par contre, l'intensité en ampères, je ne sais plus non plus. Mais par contre, la tension de la lampe, ce n'est pas 220 ni 380. C'est 140 000 volts. 140 000 volts, la lampe. C'est de la haute tension, la machine. Attention, hein. J'ai fait une petite rime en même temps. Mais voilà. Donc, du coup, là, c'est ça qui est bien. Donc, il faudra faire fonctionner une solaire 400 en lumière noire 400. Je ne prévois pas une solaire 400, mais plutôt une petite VM. Petite VM que je vais ramener toute sympatoche avec une BF 125 lumière noire. On dit BF lumière, bon, de toute façon, je m'en fous. De toute façon, je peux vous montrer la lampe, hein, tout ça dans le temps, c'est pour la fin d'année. Voilà. Je vous montre un petit peu la lampe. Voilà. Voilà. Donc, ça, c'est comme ça. Donc, une Osram. Je kiffe Osram, hein, comme Mazda Philips. Hein. Une Osram HQV, donc c'est vraiment une vraie BF, hein. Une BF, hein. Bon, on a compris, une lumière noire. Hein. C'est vraiment magnifique, une petite BF 125, allez, c'est magnifique, hein. Petite BF 125, une vraie BF, sauf que c'est une noire, en fait, voilà. Donc, franchement, je kiffe, c'est vraiment bien. Donc, une HQV 125, donc, voilà, ce qui fait ça, que ça fait vraiment plaisir. Donc, voilà un petit peu le truc, donc je kiffe ce lampe-là, donc elle sera découverte. Donc, justement, ça serait bien, justement, une solaire 400, une lumière noire 400, c'est bien, mais il faut avoir la place et le vol. Alors que ça, si je mets dans une EPA ou dans une VM, ça tiendra le pavé. Hein. Bon, là, je l'allumerai plus sur mon bloc que j'ai conçu le dernier coup. Hein. Bon, ça ne sera pas celle-là, ça sera une autre, hein, parce que je n'ai pas allumé celle-là, je veux la garder neuve. J'en ai une qui est derrière, je ne sais pas si on la voit, elle est juste là. Voilà. Petite lampe de lumière noire en 125, c'est pareil, celle-là, justement, je l'allumerai celle-là. Donc ça, c'est pas grave. Donc, ce sera une 125, pareil, qui sera fonctionnelle. Et donc, du coup, ce qui fait, c'est que là, il y aura vraiment pas mal de choses actuellement qui vont arriver. Et je peux vous dire quand même que la lampe à rayon X, elle fait aussi grosse qu'une BF 400. Il y aura aussi une vidéo. Alors là, par contre, ça sera plus pour le mois d'août. Parce que le mois d'août, il y a tout, on va dire, les 15 premiers, les deux premières semaines d'août,
Il y aura aussi des vidéos donc, sur les thématiques des spéciales vacances. Mais il y aura aussi un truc qui va arriver en août. C'est toutes les vidéos que je vais concevoir dans l'Oise. Parce que moi et mon pote Seb de l'Oise, on va concevoir des vidéos. Allez, je vous en spoil 3 à peu près, ça sera suffisant. Par rapport justement au remplacement, c'est-à-dire par exemple tout ce qui est remplacement LED, tout ce qui est remplacement HID, c'est-à-dire les sodium ou les HID, tout ce qui est les prix, justement les prix des années 30 à 40, à 70, tout ça en euros. C'est-à-dire qu'on pourrait convertir les prix en euros actuels. Il y aura ça, il y aura également une vidéo aussi, je ne sais plus c'est pourquoi, je crois que c'est sur les teintes. Je crois qu'on ferait. Non, on fait la vidéo sur les teintes. Ouais, j'avais pensé de la faire là, mais on fera la vidéo sur les teintes. En septembre, donc ça sera bon. Donc en fait, voilà, il y aura ça. Donc il y aura les vidéos sur les teintes avec mon pote Seb de l'Oise. Donc c'est-à-dire, on va faire pas mal de vidéos chez mon pote Seb de l'Oise. Ça permettra de vous faire découvrir mon pote Seb de l'Oise, comme ça, parce que j'en parle souvent, mais on ne l'a jamais vu en vrai. Donc il y aura ça. Il faudra faire. Voilà. Donc après, voilà, il y a pas mal de choses. Attends, j'ai peut-être éteint ma petite obsta. Voilà. Donc du coup, après, voilà, il y a pas mal de choses qu'on va découvrir. Donc là, ça, c'est mes projets. Hein. Voilà. Donc, comme on en a parlé tout à l'heure, ce que je ferai, c'est que je regarderai combien de pages j'ai dans mes catalogues. Toute l'armoire comprise, hein, ce que je voudrais bien savoir. C'est vrai, c'est une très bonne idée, ça, mon Bruce, que tu as eu, de calculer combien y a-t-il de pages entièrement dans tous mes catalogues. Oui. Ça va prendre plusieurs heures parce que voilà, y a beaucoup de pages. Et le poids surtout des catalogues, que je pense qu'il y a plusieurs centaines de kilos. Hein, parce que déjà, rien qu'une partie, ça fait au moins une cinquantaine de kilos. Donc 100, 200, ouais, 300 kilos facile, hein, je pense. Donc voilà, donc je pense qu'on va peut-être s'arrêter là-dessus. Ah ! La mise à jour de l'inventaire, j'ai oublié. C'est pas grave, la petite pause avant. Bon, on l'a fait. Ah, attends, la petite pause Coca. Oui. La petite pause Coca. La petite pause Coca-Cola. Vas-y, prends ton verre. Coca-Cola. Ah, toi, t'es content, t'as déjà goûté. Oui. Toi, tu t'en fous, toi. De... Ah, ça mousse. Ouais. J'adore quand ça mousse. Alors, vas-y, fais-moi découvrir du bon sens. Oh ! Mais c'est une tuerie, ça ! Ben oui, c'est une tuerie. Oh. T'es en train de faire personne, toi, voir ça. Ouais. Franchement, Coca, faites cette boisson en France. Ah, merde, il y a déjà... La supprimer... La laisser en permanence. Ah, la laisser en permanence, ouais. Attends, tu sais quoi, ce que j'ai découvert ? Deux petites secondes. J'ai découvert un McFlurry, pas McFlurry, comme je prends d'habitude, c'est un Very Parfait, oui. Beurre de cacahuète. Ah, c'est une tuerie. J'ai découvert ça quand j'étais à Reims hier, parce que j'étais au McDo à 1h du matin. Oui, ici, il perdait 1h du matin. Oui, parce qu'à Reims, il y a, je sais pas si dans votre camp il y en a, à Reims, il y a un McDo qui est allumé H24, hein, tout le temps. On est repassé à 3h du matin devant le McDo. Il était toujours le meilleur du jour du monde. Que ici, minuit, même des fois, il ferme avant minuit quand il n'y a personne. 11h, 11h15, des fois, c'est fermé. Oui, mais quand leur porte écrit minuit, il ferme avant quand il n'y a personne dans le temps. Et donc, du coup, c'est pareil. Hier, c'était le bordel à Reims. Il y a eu le match PSG-Reims qui est arrivé, qui était hier à Reims. 3-1, 3 pour Reims. Ils sont fait vincer PSG. Engorgé. Ah putain. Moi, j'imagine Neymar, le pauvre Doudou. Le pauvre Doudou, le Neymar. Oh, il a qu'à changer d'équipe. Ah ben, c'est un peu de la donne goût, tu vois. Ah putain. Non, du coup, là, donc, ce qu'il fait, c'est voilà. Donc, moi, ça m'a fait plaisir. Tu veux aller, mon tiré ? J'étais même obligé de déplacer la fête foraine. Ils ont déplacé la fête foraine entièrement. Eh ben. Ou ils l'ont carrément supprimé. Qu'il parce qu'en fait, si vous voulez, la fête foraine, ils ont conçu un terrain juste à côté du stade Auguste Delaune, et toute la fête foraine était installée. Sauf bizarrement, quand on a voulu y aller hier, vide. Ben, ils sont partis où les foraines ? Ils sont barrés. À mon avis, ils se sont fait un petit peu houspiller pour les faire partir. Ah bah attends, PSG. Bon, on va pas partir sur le truc de foot. Non, hein. Non, 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 non.
Ouais. Sinon, ça va parler encore sur les débats. Ouais, oui. J'ai mis l'OM et après, on va parler de quoi? De quel le pire? Voilà. Oui, pas de coup. Il y a un politicien qui m'a envoyé un bail, mais un SMS. Va faire foutre, t'as pas quoi de faire. Oh, oui, mais je vais pas donner le nom du politicien, parce que de toute façon, on n'en a rien à faire. Bon, j'ai goûté, mais ça, c'est pas mon kiff, le coca, parce que j'ai arrêté de boire. Mais... Oh, c'est une tuerie quand même, ça. Coca pêche. Saveur pêche. Pas pris qu'en France. Après le coca saveur pêche, découvrez la nouvelle tendance. D'un saveur pompier. Ah putain. Non, voilà, donc ce qu'il fait, c'est que là, on a vraiment parlé de beaucoup de choses. Bon, je devais faire autre chose. Hein. On va déjà faire quand même un peu. Attends, ça là-bas. On est tout pour Dad, ça va pour. Voilà. Donc là, par contre, je vais après remettre le truc. L'inventaire qui est là. Paf. Bon, ça, c'est hyper chiant. En fait, tu sais, quand tu fais comme ça, oui. Sur le Word, tu glisses, tu peux le déplacer. Oui. Sur Excel, ils ne le font pas. Donc il y a un patch. Là, il faut que tu fasses ça pour le déplacer, en fait. Donc on va peut-être faire une petite mise à jour. Putain, puis j'ai ma caméra, putain, à chaque fois, c'est bizarre, à chaque fois elle se déforme. Faut vraiment changer de machin. Ouais. Donc alors du coup, ce qu'il fait, c'est que là, donc on va faire, donc je vais remettre mon écran, puis après on retirera l'écran parce que c'est simplement pour faire mise à jour. Comme ça, on sera tranquille. Partage d'écran, patati patata, partager. Voilà, allez, je vous fais la petite mise à jour toute sympatoche. J'ai récupéré par contre la lampe quand ? La lanterne quand en fait ? Parce que je ne me rappelle plus quand est-ce que j'y suis allé. Est-ce que j'ai des photos par contre du truc ? Est-ce que je dois savoir ? Donc là. Donc ça, c'est les photos de mon scout. Non, ça c'est non. Ça c'est quand j'ai loin. Non, c'est pas là. Non. Quand est-ce que j'y suis allé? Ah, 10, 11, 12. Je crois que c'est le 10, 11, 12, je crois. Que j'y suis allé. 10, 11, 12. Ouais, donc je l'ai eu le 12. Le 12 mai. Le 12 mai. Donc, hop là, le 12 mai. Le 12 mai. Alors, le 12 mai. Le 12 mai, le 12 mai, le 12 mai. Hop, l'antenne 2019. Hop, le 12 mai. Ça, ça veut dire qu'en fait, en avril, j'en ai rien eu du tout. 12 mai 19. Voilà, numéro vert. Donc ça, hop. C'est Bastien. Ah, là. Hop là, la lampe, récupération lanterne, donc ça on s'en fout. Voilà, lampe, tout ça, hop. Moi j'aime dire c'est dégueulasse, mais moi autrement, voilà. EGP, donc ça on s'en fout, voilà. Le 12 mai, 12 mai 19. Voilà. Et là, c'est une Sony Duval Karen, Sony Valorion. Sony Duval Orion. Voilà, BF. What? Voilà, donc ça c'est fait. Elle est officiellement mise dans le truc. Après, lanterne 1, Sony Duval. Sony Duval. Sony Duval Orion. Orion fermé. En plat. Donc là, ce que je fais, c'est que je mets ça en mode couleur. Ça sera mieux. Je vais mettre ça en, comme ça. Sony Duval Orion. Donc là, et Sony Duval. S. A. Alors, U. Pro. Sony Duval. Là, ce niveau là, Orion. Orion appareillé fermé.
Et je vais mettre entre parenthèses. Oui, parce que vous allez me dire pourquoi entre parenthèses. Comment avec. Alors justement, quand j'aurais mis ça, je vais vous expliquer un peu le cas échéant, justement, de la petite lanterne. Parce que vous allez me dire pourquoi je mets comment avec. BF 125 watts 1960. Là, on est une. Wally Walou. Donc là, du coup, actuellement, nous sommes. Ah la vache, 798. Oh la vache, et c'est dingue. 798 lanternes. Donc là, du coup, ça c'est bon. Donc là, du coup, ça c'est fait. Bon, la photo, je ne l'ai pas faite. Lanterne 2018, non, ça c'est bon. Nickel. Ah ben c'est bon, je pense que là actuellement on a fait. Je dois partir à plus. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Donc ça fait plaisir. Donc du coup, on va finir ça. Puis de toute façon là c'est bon, on a quasiment fini. Donc là paf, c'est bon, nickel. Et là on va pouvoir, je veux dire quitter l'appel, arrêter l'écran. Voilà. Donc là ça y est, enfin, je vous garantis, c'est une dinguerie parce qu'on arrive déjà à 798 lanternes. Actuellement le 25 mai 2019, voilà. Donc je prévois d'en récupérer, on va dire, encore d'autres luminaires. Je pense qu'on va atteindre 800 lanternes le mois prochain, au mois de juin, donc dans quelques jours. Voilà, donc c'est un petit détail tout sympatoche. Qu'est-ce que tu me fais, mon Brissou? C'est une idée. Pourquoi? Après. Non, ça c'est compte nickel. Pas si tu cherches le minerai nickel, tu mets minerai. Oui, parce que avant on tapait, il s'est fait taper nickel, et on tombait sur le minerai. Voilà. Hugo, qu'est-ce que tu cherches? Tu vas te l'expliquer après. En fait, okay. Pour on aura le minerai, puis il faut faire cuire le minerai. Ouais. Tailler pour avoir le nickel, et nickel, quand on le fait cuire, on obtient ça. Ah bon? Pour le Minecraft. Ah oui, oui, pour profiter de table. Ah bah attends, justement, je vais mettre dans mon petit tableau de bord. Attends, excusez-moi, puis après on finit notre truc, on ferme la boutique. Donc, faire minerai nickel. Voilà. Quand on fait de l'électronique avec le nickel. Ah c'est vrai. Oh c'est joli le truc là. Bon ok, moi j'adore le petit cube, on dirait Minecraft. Ah ben oui, je pourrais faire un bloc nickel aussi. Ah, je vais faire aussi les blocs. Ça peut être pas mal. Bien. Puis de crafter après le truc. Ouais. Découper ce truc là. Le bloc sera comme ça, mais quand tu découpes, on aura ça. En bas. Ah, pour la poudre, le poudre. Oui. Après ça, on cuit. Ça fait les trucs de couleur. On le dit le truc de couleur, le truc et de couleur. En consommation, on pousse, on a la fuite. Ok, bon alors je vous expliquais un truc. Là, justement, là où il y en a. Donc du coup, pourquoi j'ai mis Comatelec sur le truc Shredder, Sony Dual. En fait, cette lanterne-là. Oh, je suis là, kiffe celle-là. Voilà. Je la mets à côté de moi. Elle m'a fait fuir le bol. Oh là. Attouchement sur une Sony Valorion. Attouchement. Je fais des attouchements sur une lanterne. Donc du coup, là, ce qu'il fait, c'est que cette lanterne-là date de 76. Voilà, donc elle est récente. C'est une des modèles les plus récentes au monde en tant que Sony Dual. Parce que comme je vous ai expliqué, je crois que je ne m'en rappelle plus, bon, je vais l'expliquer encore une fois. Comatelec a racheté les droits de lanterne Sony Dual quand Sony Dual a dégagé leur branche d'éclairage public. Comatelec a repris la Karen, la Orion, et puis les autres, la Backline et compagnie. Donc ce qu'il fait, celle-là, c'est une très récente. Pourquoi? Parce qu'en fait, le petit cabochon, c'est du Shredder complètement. Sur ma RX, il y a le même cabochon. Donc, ça veut dire que c'est vraiment une officielle de Comatelec. Voilà. C'est pour ça qu'elle est vraiment, on va dire, très, 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 très intéressante à voir. C'est une Sony Dual Orion. Donc, je dis Sony Dual Orion parce que de base, c'est une Sony Dual qui a été reprise par Comatelec. C'est un peu comme les stories qui étaient du chez Mazda qui a été reprise après par Philips. Voilà. Mais ça fait vraiment plaisir de découvrir. Je vous la montre à peu près plus en détail. Voilà. Donc, il y a un petit crochet qui est cassé, mais l'intérieur est complètement impeccable. Pas... Il y a des toutes petites légères piqûres, mais c'est rien du tout par rapport
à la qualité du luminaire. J'ai récupéré une LCH V1 le 9. Oh, c'est bien, mon garçon. Donc, du coup, voilà, je fais gaffe de ne pas la faire péter. Ah oui, il faut mieux éviter. Le pilote ne l'aura plus si tu la pètes. Voilà. Bon, allez, cette fois-ci, on va se laisser. Il est déjà 48. Je sais pas, ça fait combien de temps qu'on est là sur le direct. Mais très longtemps. Ah oui, depuis 15h16, quand on est déjà, ouais, ça fait déjà 3 heures passées, ouais. Donc, du coup, voilà, donc j'espère que la petite vidéo vous a plu. Moi, je vous le redis, on en a parlé au début de la vidéo, mais je suis vraiment content de passer la 3e année consécutive sur YouTube. Y a déjà ça. Merci pour votre fidélité d'être toujours là. Bon, je sais que là, les gens ne sont pas trop là parce que justement, ils sont peut-être occupés ce week-end. Mais ils vont revoir la vidéo et tout ça. Donc, du coup, là, moi, ça me fait plaisir. Mais 3 heures de vidéo. Donc, voilà. Eh bien, quand on a 3 heures de vidéo, franchement, voilà. Mais voilà, j'ai vraiment fait pas mal de choses. Mon plus gros, c'était quand même le catalogue Tour International. Le truc qui m'a fait chier, c'est quand même le fichier descriptif. On était en train de tout bien faire, sauf qu'à la fin, ça a complètement craché. J'ai dû avaler une bouche. Et donc, du coup, ce qui fait, c'est que voilà, bon, on a fait pas mal de choses. Le plus gros, c'est ça. Et donc, du coup, voilà, donc on a fait une petite mise à jour sur la Sony Valorian, la Sony Valorian. Et puis voilà, donc du coup, bon, j'espère que la petite vidéo vous a plu. Et puis on sort, continue donc sur l'année encore comme ça. Voilà. Donc les projets de vidéos, je vous en ai parlé. Et puis voilà, donc on en reparlera, on va dire, plus tard. Hein. J'avais d'autres projets à parler dans les vidéos. Sauf que franchement, là, on ne va pas non plus faire une vidéo de 5 heures. Hein. On a, donc la mise à jour avant-hier, c'est fait. Le fichier de c'est fait. Création, c'est fait. Mais on a fait quasiment tout, en fait, sauf le fichier descriptif, mon balai steak, je le ferai plus tard. Et puis voilà, donc du coup, je vous laisse là-dessus. On se retient au courant pour des nouvelles vidéos. Et moi, ça m'a fait vraiment hyper plaisir de discuter avec vous et tout ça. Voilà, même s'il n'y a quasiment personne, mais c'est pas grave, ils reviendront les vidéos. Par rapport à ça, et on se retient au courant voilà, pour une nouvelle vidéo. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'on va dire, mon Brissou? C'est pas faux! Non, c'est bizarre, la connerie. Bon, allez. C'est pas faux. C'est pas faux.